say you live long. With perseverance, hold on and stand tall. Never back down with my back against the wall. And you never hold me back. Nothing. I'm unstoppable. I'm fearless. Et ça fait plaisir de vous retrouver dans CTCR, votre émission en partenariat avec PlayStation. Franchement, ça y est, on l'a eu la conf. Ah, ça y est. Enfin, il n'y a pas eu GT. Il n'y a pas eu GT. Voilà, fin de l'émission, à mardi prochain, 16h30. T'imagines le gars boud. Il n'y a pas eu Spider-Man, mais le Spider-Man de Donald. Il commence, et je l'ai vu dans le chat, c'est, il commence les tacles, il commence et la pression, là, on le sait. Ah ouais, je dis ça, je dis rien. Bon, ça va ? Ça va très bien, et toi, Donald ? Tout à fait. Tu t'es coupé les cheveux. Ah, moi, oui. Tu te vas à ravir. J'ai eu le temps, j'étais content. Passé en speed, j'ai pu, j'étais content. T'y allais aujourd'hui ? Non, la semaine dernière, mais j'ai trouvé un créneau, c'était court. Enfin, excusez-moi, sur l'agenda un petit peu plein. Le gars, la rosta, quoi. Bon, ça va, t'es content ? Est-ce que tu as préco ? Non, je n'ai pas préco parce que bah en fait il y avait plus de stock. Toi aussi. Du coup, mais on en reparlera. Mais voilà, il y a plus de stock, donc on peut pas vraiment préco quoi. C'est compliqué, hein. C'est un sport. Enfin, voilà. F5, c'est ça. La chanson du F5. Dites-le-nous sur le chat si vous avez réussi à précommander et où qu'on sache un peu les pistes où ça va. Et quel modèle surtout? La standard. Après, j'ai un certain nombre de personnes autour de moi qui ont acheté la digital edition. C'est vrai. Ouais. Après, je pense très sincèrement que la hardcore, enfin nous voilà, qui nous intéressons tous les jours à l'actualité du jeu vidéo, c'est difficile de pas prendre une complète standard. Mais je pense pour du vrai casu, la digitale, elle fera très bien l'affaire. Ils ne vont pas se prendre la tête à la Micromania. Elle est à 100 euros moins chère. Mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense que clairement, le grand public, il ne va pas forcément se poser de questions. Mais on en reparlera dans le dossier parce qu'il y a des questions de stock, évidemment, où Sony va mettre le stock le plus important sur la console la plus chère, évidemment. Évidemment. Bon, comment ça va, monsieur Titavion ? Bonjour, Titavion. Je vais bien, je suis content et j'ai préco. Ah ! Je n'ai plus d'argent, mais ça va. La réunion. Bonjour Titavion. Merci Titavion. Bonjour Ken. Bonjour Donald. Comment ça va? Très bien. La forme? Eh ben écoute, ouais, super en forme là. Super, plein de news, plein d'annonces. C'est dynamique tout ça. Bon. Je n'ai pas préco parce que c'est un peu trop le bordel. Ouais, donc je me laisserai guider, on va dire, par les stocks disponibles. Au moment, rien qui nécessite que je prenne à la frame la console. Ouais. Donc on va attendre un tout petit peu. Moi j'étais comme un con après la conférence et je faisais F5 sur le site. J'ai dit non, c'est du scout. Non. Micromania, oui, bon, ça peut être pas mal. Puis en fait, on est moins regardant à un moment donné. Hein. Ça n'a pas marché. Le lendemain matin, rien. Je me dis, bon, bah, je vais aller chez Micromania le soir. J'arrive à 18h, je fais, ah bah, fallait venir avant 13h. Je fais, bah, excusez-moi de travailler. C'est ça, et ça a fini à un géant casino avec le préco de 50 balles. Je me sais même pas si je l'aurai un jour. C'est vrai, c'est. Bon, croise les doigts. Tu croises les doigts. Hein. Non, mais je savais même pas qui
vendait des jeux. Bon, bref, ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, je vais l'avoir, la standard. Bon, c'est cool. En attendant, aujourd'hui, on va évidemment parler de toutes les news. Le trailer de la semaine. Bon, si Devin n'a pas voulu me dire de quoi il allait traiter, je pense que ça, peut-être que je suis concerné, peut-être. Non. Je ne sais pas. Bon, il y a une surprise alors. Oui, il y a une surprise. Il y a une surprise. Et le dossier, évidemment, vous vous en doutez, c'est la conf PlayStation 5. On va tout voir avec vous, le prix, la date, les jeux et tout ce qui vous intéresse. En tout cas, on en débat aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et le classico, on va être sur le PS Now, mais ça, vous le savez. Tout de suite, c'est parti avec les news. Et nous commençons avec toi, Sylvain, sur ces news, et je te laisse la parole. Eh oui, parce que vous n'avez sans doute pas loupé cette annonce. Bethesda n'est désormais plus un éditeur indépendant. Mais il est quand même bon de rappeler, effectivement, Phil Spencer l'a rappelé au micro de Bloomberg, les deux exclusivités PlayStation 5 à venir chez Bethesda, c'est Deathloop et celle de Tango Gameworks, qui est donc Tokyo Ghostwire, par le créateur de Resident Evil notamment. Eh bien, ces deux jeux sont toujours des exclusivités PlayStation 5 et seront honorées, voilà, puisque bah voilà, c'est ce que Sony a décidé. Alors évidemment, on ne va pas revenir en détail sur le Big Bang qui a été ce rachat, mais ça va être intéressant de voir comment Sony va réagir à cette nouvelle. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est que les fans de PlayStation réclament de Sony qu'ils rachètent Konami directement. Et c'est vrai que ce serait pas con. Ça varie selon les heures. Oui, ça varie selon les heures. Effectivement, il y a du Sega, il y a du Ubisoft, etc. Ouais. Mais c'est pas con parce que clairement, les licences de Konami, elles sont, je le pense, historiquement ancrées PlayStation. Ouais, parce que c'est du Silent Hill, c'est du Metal Gear. Et c'est vrai que. Mais Konami. Tu penses que ça coûte cher. Si cher. Mais oui, parce que autant, bon, en jeu vidéo, ils se sont un peu calmés, mais ils ont d'autres gros revenus, Konami. Hein. Oui, mais fait. Alors, et... Alvin. Ils possèdent aussi Hudson, tu sais, donc ils possèdent toutes les licences Hudson derrière. Ils ont vraiment énormément de parts de marché dans l'arcade, des parts de marché aussi dans les jeux de casino au Japon. Konami, ça reste une entreprise assez grande. Capcom. Pachinko. Ils ont la main mise sur tout ce qui est industrie du jeu musical au Japon. Oui, d'accord. Donc ça reste quand même des gros trucs, même s'ils ne font plus trop de jeux vidéo traditionnels. C'est bon, après je pense pas que ça vaut le prix de Bethesda, mais 7,5 milliards de dollars, on le rappelle, pour le rachat, donc c'est une petit chèque, voilà. Bon, à peine une émission de CTCR pour Donald. Deux. On n'en rajoute pas. Rigueur. Pour vous, c'était une grosse annonce. Pour nous, c'était un lundi. Non, mais en tout cas, voilà, c'est important de le rappeler. Les deux exclusivités signées par PlayStation avec Bethesda sont toujours au programme. C'est une exclusivité certes temporaire, mais néanmoins importante, puisque Arkane et Tango Gameworks sont des studios aujourd'hui respectés. Tango Gameworks, c'est ceux qui ont fait les Evil Within, et Arkane, c'est ceux qui ont fait Prey et Dishonored. Voilà, donc on verra. Deathloop, on en reparlera un petit peu plus parce qu'il s'est montré à la conférence PlayStation de la semaine dernière. Ghostwire Tokyo est resté assez silencieux, mais il n'est pas prévu avant bien tardivement l'an prochain, je pense. Mais il me tarde d'en savoir davantage sur ces deux jeux. Et il a l'air très bien d'ailleurs, ce petit Ghostwire. Il fait très envie. On continue avec toi, Titavion, et tu vas nous parler de Bandai Namco. Décidément, c'est la journée des chèques. Vous ne voudrez pas me faire un petit chèque pour rester. Ouais, non, c'est vrai. Merci. qu'en ce moment, c'est le mercato. Le mercato. Et du coup, Bandai Namco qui annonce une Bandai Namco Entertainment Europe. Attention, il faut bien le noter. Oui, petite annonce surprise, voilà, qui annonce avoir acheté le studio de développement montréalais Reflector Entertainment. Donc c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils voulaient de moins en moins, c'est-à-dire qu'ils voudraient que la moitié de leur production de jeux ne vienne plus du Japon. Ah oui. Donc ils ont annoncé, voilà. Donc avant, ils faisaient des partenariats. C'est vrai qu'on les avait vus travailler avec The Farm 51 pour Get Even, Supermassive Game pour Madame Fedan et Little Hope qui arrive, Dontnod avec Twin Mirror ou Tarsier avec Little Nightmare. Mais là, cette fois, hop, ils sortent un peu les broudoufs. C'est qu'ils doivent. Enfin, en tout cas, c'est Unknown 9 qui avait été dévoilé chez PlayStation d'ailleurs, je crois. Ouais. Belle cinématique, on l'avait pas trop compris. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être un projet cross-média. Mais oui, c'est ce que moi, j'ai reçu un petit paquet avec un livre. Visiblement, il y aura une série télé aussi qui sera sur ça. Il y aura un jeu, il y aura des romans. Donc ça a l'air d'être un joli projet. Ils ont fait quoi l'autre, Reflector, je me rappelle. Je crois que c'est leur premier projet.
Oui, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, ah, il me semble que c'est leur premier projet, mais c'est étrange de voir Bandai Namco se mettre au cross-média, parce que bah, jusqu'à présent, ils adaptaient surtout des animes ouais. japonais. Mais le. Ouais, alors Bandai Namco, c'est plus que ça. Oui, hein, voilà, mais c'est plutôt Namco, si tu préfères, pour la branche jeu vidéo. C'est la séquence RPG qu'il y a avec. Namco. Série Dresser. Day One avec ma PlayStation 1. Et en vrai, pour les studios japonais, il y a deux solutions actuellement. La première solution, c'est d'embaucher des développeurs étrangers pour venir renforcer leur rang afin de s'aligner comme ce que fait Capcom et Square Enix, tout à fait. Non, comme ce que fait Capcom plutôt. Et t'as la méthode d'absorber des studios étrangers vers toi. C'est ça, c'est ce que fait Square Enix et c'est ce qu'est en train de faire Bandai Namco. Voilà. Je vois, c'est à chaque fois un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Mais tout dépend si tu veux que ta production soit essentiellement réalisée au Japon ou si tu veux que bah, tes productions partent un peu partout, comme Ubisoft par exemple, mais que tu puisses maîtriser une partie de la production. Savoir que pour Square Enix, même si aujourd'hui je crois 70% de leurs jeux sont produits à l'étranger, en vérité pour eux ils restent très japonais et les projets les plus importants pour eux, c'est les projets japonais. Oui, 70% de leur chiffre d'affaires sont faits avec des studios qui viennent de l'étranger, mais c'est pas grave, Square Enix ça reste japonais. Tu vois. Ouais. Donc c'est un peu, on est un peu sur quelque chose d'assez hypocrite là où chez Capcom vraiment ils ont eu besoin d'aide et pour se mettre au niveau auquel ils sont aujourd'hui et ils ont accepté l'aide sans rechigner quoi. Ouais, sans rechigner après quelques changements en haut rang, tu vois, mais ça leur a fait du bien. J'ai quand même l'impression que Bandai Namco Europe ça a l'air d'être un peu le Nintendo Europe d'une certaine époque qui traduisait des jeux et qui sortaient ensuite pas aux États-Unis, qui étaient donc exclusifs à l'Europe. C'est un peu un électron libre parce que c'est eux qui ont fait Little Nightmares. Enfin, ils donnent de l'argent à des projets alors que les États-Unis, eux, sont beaucoup plus classique, tu vois, ils vont faire venir Tales of, etc. Mais c'est pas eux qui ont l'idée d'éditer ou de distribuer, par exemple The Witcher, etc. Parce que c'est eux qui ont les Dark Souls aussi, d'ailleurs, c'est Bandai Namco. Donc, enfin, c'est assez. Les Witcher aussi au départ, faut pas oublier. Ah ouais. Oui, les Witcher. Distribué par Bandai Namco le 1 et le 2. Non. Donc je suis sur le site là, de Reflector Entertainment et globalement, ça a l'air d'être leur premier projet et ils se présentent comme un éditeur qui va créer justement du cross-média autour d'un univers. Donc, tu vois, là, je vois, il y a écrit séries télé, films, jeux vidéo, jeux mobiles, romans, bandes dessinées. Ça parle beaucoup à Bandai Namco, tu vois, par exemple, cross-média, événements univers, immersifs, jeux de rôle, séries animées, balado, je sais pas ce que c'est, mais c'est écrit balado et tout ça avec au milieu une histoire. C'est propre. C'est beau. C'est beau. J'ai presque envie de pleurer. C'est quelque chose de. Oh. Mais tout à l'heure, est-ce qu'on arrivera à placer le petit liner Destiny 2 ? Oui, on peut le mettre n'importe hein, quand il passe. On va réussir à le placer, vous inquiétez pas. J'adore entendre ce petit petite douce mélodie. Destiny 2. Ah là là, ça fait ma joie. Merci. Bon, on continue maintenant avec une news que n'a pas assumé notre ami Sylvain. Et on ne sait pas pourquoi. Non, c'était pour Gran Turismo qui allait parler Ken ou Atit Avion. Et là, du coup, Ken va nous parler de Fortnite avec BTS. Je sais pas pourquoi t'assumes pas ça, Sylvain. Franchement, t'aurais pu assumer. Non, c'est parce que pendant que tu fais la news, il voulait faire la Corée. Non, justement, la Corée, on ne la connaît pas encore. La Corée des Coréens ou la Corée de la chorégraphie Les deux. Bah oui, parce que c'est le groupe BTS que vous connaissez probablement. Ils sont en train d'envahir la toile, le monde. Hein, en étant le groupe de K-pop numéro 1 référencé dans le monde, ils vont aussi apparaître dans Fortnite, voilà. C'est incroyable. Le dernier coup, j'ai acheté une canette de café, il y avait un perso de BTS dessus. Je suis sûr, je prends mon bento et un perso de BTS dessus. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment absolument partout. Les boys band, peut-on parler de boys band lorsque l'on parle d'un groupe de K-pop? Je ne sais pas, peut-être aura-t-on le débat dans Manga Sur cette semaine. Mais BTS, c'est tentaculaire, c'est vraiment une industrie à eux tout seuls. Ils sont en train de bouger tout et ils exportent grandement la culture coréenne partout dans le monde. Je pense que le point d'entrée de culture coréenne principale dans le monde aujourd'hui, ça reste la musique. Voilà, musicalement, ça s'exportait très, 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 très bien. Et ils capitalisent là-dessus. Voilà, BTS est au sommet de la tour. Et c'est pas étonnant de les revoir dans Fortnite. Ça correspond bien au public du jeu. Ouais, ça correspond bien à la cible visée.
On est trop vieux. C'est ce qu'on est trop vieux, je sais pas. Si. Mais tu peux écouter, hein. Moi aussi, je me pensais trop vieux. J'écoutais un peu de morceaux de K-pop et c'est fort, hein, tu sais. C'est incroyable comme c'est accrocheur tout de suite. Puis surtout, ils sont vachement ils sont vachement au courant des nouvelles modes. Enfin, ils se mettent très rapidement aux nouvelles modes. Avant, c'était effectivement de la pop très pure et dure, donc avec beaucoup de boom boom, etc. De la chorégraphie très kawaii et compagnie. Aujourd'hui, il y a du rap dans quasiment toutes les chansons de K-pop. Carrément, il y a tout. Ouais. Et ça, c'est un truc ils l'ont vu venir de l'Occident, justement pour s'intéresser à l'Occident et pour pour intéresser même le public occidental. Certes, en Europe, c'est déjà un peu acquis, ouais. Mais notamment aux États-Unis. Effectivement, BTS, on n'aime pas trop vieux, pas assez vieux, mais finalement, le truc le plus impressionnant là-dedans, c'est les trailers de Nolan qui passent dans Fortnite. C'est devenu un placard publicitaire. Ça n'a jamais été Fortnite. Évidemment. C'est un modèle unique et qui va sûrement faire des petits, parce que impossible qu'il ait ce gâteau-là à Fortnite. Là, ce qu'on verra, c'est pas le clip qui a déjà été dévoilé, c'est la chorégraphie entière du clip. Ouais. L'OCR total, quoi. Mais en même temps, ça fonctionne. Il y a plus de 150 millions de joueurs, même plus de 200 millions de joueurs. Pourquoi s'embêter à acheter des affichages un peu partout alors que sur Fortnite, ce sera forcément vu en donnant rendez-vous à une telle date, à telle heure. Ils ont raison sur le chat, c'est un média à part entière. Hein, c'est un réseau social comme un autre. C'est un réseau social. On trouvera dans la boutique après, je suppose. Très probablement, je pense. Ouais. Et je ne sais pas si on va avoir des skins et compagnie, mais ça peut être marrant aussi. Moi, j'ai arrêté de jouer à Fortnite. Le petit sourire qui dit que tu vas l'acheter. Non, j'ai arrêté de jouer. Tu vas arrêter de jouer ? Pourquoi tu as arrêté de jouer ? Parce que ça m'intéresse moins et puis je suis passé à autre chose. Mais je suis moins fan, effectivement, du côté écran publicitaire de Fortnite. Et c'est vrai que depuis 8 mois, c'est quand même devenu assez hallucinant, hein, de ce côté. Ouais, mais c'est très fort, quand même. Ils réinventent un modèle économique sur le jeu vidéo qui est... Je suis pas la cible de Fortnite. Et voilà, chacun joue à ce qu'il veut, mais c'est assez impressionnant. Enfin, le jour où... Et je ne le souhaite pas, hein, qu'on ait ça dans Call of ou dans Assassin's Creed. Tu sais, t'as des vrais placards. Il y en a eu, hein. Sur Battlefield, fut une époque, il y en avait sur les barres d'immeubles, notamment. Oui, mais on a eu des pubs cachées comme ça. Et c'est des trucs qui restent discrets, mais tu peux pas coller à l'univers un clip de BTS dans Call of Duty. Je pense que c'est compliqué. Hein. Dans quoi? Et les pubs dans les jeux, là, c'est le week-end dernier, j'ai fait Splinter Cell Chaos Theory. Ah. Il y en a dedans. Sérieux ? Ouais. T'as des écrans avec des téléphones Nokia. Sérieux ? Oui. T'en avais déjà dans Chaos Theory. Comme sur YouTube, en bas, à gauche de ton jeu, marqué « Inclut une publicité commerciale ». C'est ça. Mais il me semble qu'IA avait été un des pionniers dans la publicité in-game, mais ils avaient assez rapidement abandonné. Ils l'avaient mis du coup dans Battlefield, mais aussi dans Burnout Paradise. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que à l'époque, il n'y avait pas de débouché en termes de rentabilité. Donc, ils ont réessayé avec UFC, ils se sont pris une volée de bois vert. Je ne parlais pas qu'un peu. Mais ce qui est bête en soi, cette volée de bois vert, parce que c'est la manière dont ils mettaient en scène la pub, c'était pour The Boys saison 2, ouais, où ça s'affiche juste avant le replay en plein écran. C'est comme ça aux États-Unis. Hein. C'est de la pub, et du coup ça. Alors, c'est de la pub, mais ça montrait encore plus du réalisme. C'est ça. Mais oui, après, c'est un système de pub dans un jeu et c'est mal passé. Mais tu sais que ça n'a rien à voir, mais dans les séries, quand il y a des écrans noirs, des fondus au noir et que ça repart, c'est pas des effets de réel, c'est juste pour la pub. Ça, c'est dans les séries piratées. Toutes les séries que tu regardes à la télé, sur les Netflix, pas les Netflix justement, mais en télé, dès que tu vois un fondu au noir et que ça repart, c'est pas de la réal, c'est juste pour les États-Unis. Une pub de 2 minutes 30 toutes les minutes. Aux États-Unis, ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, il y a plus de pubs que de programmes, mais en France, il y a quand même des lois qui préviennent un tout petit peu les quantités de pubs sur les chaînes, sur le service public à partir d'une certaine heure, t'as plus de pubs. Généralement, quand tu as une chaîne payante et que tu paies, il y a quasiment pas de pub sur les chaînes payantes, tu vois, ou alors c'est que des petits trucs ou des petits encarts publicitaires. Des petits sponsors ici, mais t'as pas de pub. Tu payes une chaîne, c'est une chaîne payante. Tu vas pas foutre de la pub à l'infini dessus, c'est normal. Aux États-Unis, ouais, c'est pas comme ça. Tu as un pay-per-view, donc tu paies pour voir ton match, et dedans, on te balance la pub dans la gueule quand même, tu vois. Donc tu prends double ratio. Eux, le suppôt, il est passé. Oui, nous, c'est vrai qu'en Europe, on a plus de mal avec ce genre de profil-là. En Angleterre, c'est un peu plus agressif. Bah, surtout qu'en Angleterre, tu peux sponsoriser un programme.
genre je sais pas dans pas American Idol, bah, bon, je prends l'exemple d'American Idol, mais la version anglaise c'est pareil, c'est que tu vas pouvoir avoir des gobelets pour Pepsi par exemple, Pepsi Cola Bread, c'est machin, avec marqué la marque en énorme, ouais. Et Pepsi va apparaître régulièrement, tu vois, il faut un troisième Bread Cola. Voilà. Donc tu vois, c'est complètement naturel en fait aux États-Unis, Bread Cola. J'ai goûté du Bread Cola il y a pas longtemps d'ailleurs, extrêmement sucré, mais c'est plutôt pas mal. Je dois admettre que le petit coup de caramel beurre salé, c'est meilleur à Brest. Avec le trompe-l'huile bleu marine. Du rhubarbe paumé à Brest, hein, non, tu vois. Voilà, déjà, encore faut-il y aller. Mais Amis du Finistère, vous pouvez le défoncer, là, les îles. Ah non, mais moi, j'adore la Bretagne, mais bon, aller à Brest, bon. J'adore la Bretagne, Nantes. Le Mont-Saint-Michel. Ah, les bandes de trolls, là, on voit bien les mecs qui bossent sur Internet, hein, c'est n'importe quoi. Bon, il est temps de récupérer des news un petit peu normales, hein, parce que bon, on s'égare, et justement, bah, on continue avec toi, et tu vas nous parler d'Elder Scroll, le premier DLC, déjà ? Le dernier DLC. Le dernier, attention. Oui, pardon, la langue à fourcher. Oui, parce que là, en matière de c'est DLC... C'est le premier de la dernière extension. Voilà, Non, parce que t'en as en début d'année. Il y en a déjà un, puis telle extension, puis un DLC instance qui est sorti là, tout à la fin du mois d'août, et effectivement, tu as Markarth qui est le nouveau DLC, l'ultime DLC du cœur noir de Skyrim, qui est en fait l'année elle est nommée comme ça, et qui a eu son point d'orgue avec l'extension Greymoor. On avait d'ailleurs eu le community manager de Bethesda à l'époque, et effectivement il y a le prologue qui est disponible dès maintenant et qui est gratuit pour les joueurs. Si vous êtes abonné, ce DLC sera d'ailleurs aussi gratuit puisqu'il est inclus dans l'abonnement mensuel. Sinon, il coûte, je crois que c'est l'équivalent de 12€ dans le cash shop à couronne. Dans tous les cas, c'est un bon moyen de découvrir une toute nouvelle zone inédite. Oui, puisque c'est nouveau, c'est inédit, c'est un peu bête ce que je dis. Mais bon, bref, c'est une zone inédite, avec notamment qui va nous faire rencontrer de nouveau l'univers des Dwemer, avec une nouvelle histoire, etc., des nouveaux trésor à découvrir. Il y a un event d'ailleurs en ce moment in-game pour justement revenir sur l'une des nouveautés de Greymoor, qui est la recherche de trésors. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, en tout cas plutôt prometteur. J'ai hâte de voir ça. Là, ce qu'on voit, c'est la quête d'introduction et les nouveautés actuelles dans le jeu. Mais juste après, vous avez effectivement Markarth qui est... voilà, là on voit la nouvelle zone du jeu qui a l'air d'être assez massive. Et si, généralement, si ça suit les DLC précédents qui sortent en fin d'année et qui clôturent l'année, généralement c'est des très bons DLC. Donc avec une vraie histoire super intéressante, donc j'ai hâte de voir et ça. Et je crois qu'il y a de l'ajout côté PVP aussi. Oui, il y a de l'ajout côté PVP. C'est assez rare pour être signalé dans le jeu, je crois. C'est donc, clair, ouais. Mais oui, il y a une nouvelle arène. Je rajoute également que la nouvelle thématique de l'année et du coup la nouvelle extension seront connues au mois de février. Voilà. Ah, et avant de repartir sur la suite... À chaque fois, je vous saoule. Tu saoules avec Destiny, tu saoules avec... tu saoules avec ton jeu, un For Honor. Oui. Et vous vous rappelez quand je vous saoulais avec Commando 2 ? Ça y est, j'ai reçu mon portage. Je n'ai pas encore pu le tester, mais je suis comme un fou. Mais il est sorti, Commando 2 ? Oui, il est ressorti avec Praetorians HD, le bundle dans les deux. Et du coup, je vais le tester là cette semaine. Je ne savais pas qu'il était sorti. Je vous ferai un petit vidéo test pour la semaine prochaine. Vidéo test, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous ferai un test pour la semaine prochaine parce que là, si tes premiers avis avec ton téléphone. Mais il est disponible sur PS4 ? Ah oui, c'est un portage console. Mais apporte-le, on y jouera la semaine prochaine dans le classico. Voilà, c'est fait, ok, pas de problème. Il a un classique. Il a moins à chercher sur son classico et fait c'est bon, ça de moins à faire, nickel. Super. Bon, allez, on continue. Et là, on va vous parler de Ubisoft avec Michel Ancel, hein, le papa de Rayman, et de Beyond Good and Evil qui quitte Ubisoft. Mais évidemment, le jeu va bien. Bah, c'est même pas qu'il quitte Ubisoft, c'est qu'il quitte jeu vidéo. Donc c'est quand même l'un des piliers hein, en France, faut le dire. Et donc il a annoncé, vas-y je m'en vais, comme ça il a dit exactement, il fait vas-y je m'en vais, et il va se consacrer du coup à sa deuxième passion qui est la vie sauvage. Sans déconner. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il a. Oui, mais surtout que c'est la manière dont tu le dis, tu vois. Non mais c'est incroyable qu'il va aller faire des petites photos. L'élevage de l'outre. Albinos. Non mais c'est chaud. Comment est-ce qu'on nous on peut penser, on attend Beyond Good and Evil depuis des années. Et Wild. Aussi. Ouais, moins. Wild. Mais on attend tous celui-là, vraiment. Et il se barre et tu dis, ça tout va bien. Et c'est une magnifique occasion de rappeler que un jeu vidéo, surtout de cette ampleur-là, n'est pas le travail d'un homme, mais de milliers.
Et donc, comme il l'a assuré, que ses équipes étaient déjà en parfaite autonomie depuis quelques temps, parce que c'est un départ qui est préparé, je pense, et que du coup, y aura aucun impact sur son départ. Il a dû laisser des post-it dans un coin, et puis il a formé des gens. Mais rappelez-vous que voilà, un jeu vidéo, c'est énormément de gens qui travaillent, et certes, c'est quelqu'un d'important qui tire sa révérence, mais ça n'empêchera pas le jeu de sortir et de continuer son développement. Ouais, mais ça veut dire qu'on n'aura jamais Rayman 4. Non, mais après, ça, justement, c'est pas sûr. Il part oui, pas avec non, mais, il part pas avec Rayman 4. Évidemment, mais j'espère le truc, c'est que si. Je pense que déjà, à mon avis, alors c'est un peu de, compliqué de dire ça aux fans, mais je pense que c'est une excellente chose que Michel Ancel ne soit plus attaché au projet Beyond Good and Evil 2. Pourquoi Parce que, à mon avis, c'était quelqu'un de très. Compliqué à gérer au quotidien. C'est bon, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'aller à l'hospice non plus. Je rappelle la dernière enquête de Numérama sur Ubisoft, qui montre effectivement que visiblement Michel Ancel était quelqu'un de compliqué à gérer, que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup quand le travail est bien fait, probablement trop bien fait. Il est perfectionniste, mais alors puissance 10 milliards. C'est ce qui a fait que, à mon avis, dans le Duel 2, a mis tant de temps à arriver et a mis tant de temps à revenir un peu sous les projecteurs. Moi, de ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'il y avait eu un semi-reboot il y a un peu moins de 2 ans. Donc je pense que clairement, on aura des nouvelles l'an prochain, visiblement. Mais ça fait du bien, je pense, aux équipes du FOS Montpellier, qui d'ailleurs désormais est aidée par Ubisoft Paris, de dire voilà, le projet prend vraiment de l'ampleur. Les premières images qu'on a vues du jeu sont pas trop mal, non ? Oui, bien sûr. Mais à mon avis, ce que voulait. Tu vois, c'est un peu, à mon avis, on était au niveau de Star Citizen. C'est qu'il y avait Michel Ancel, il voulait tellement de choses, il voulait tellement que tout soit parfait, que à mon avis, c'était compliqué de lui proposer quelque chose. Et là, le fait qu'il soit parti, je pense que le projet a pu avancer vraiment rapidement. Des jeux comme Beyond Good and Evil, il faut sortir une base qui fonctionne. Tu vois, tu sors un jeu avec une base qui fonctionne et tu l'incrémentes au fur et à mesure du succès du jeu. Ouais. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans ce qui est censé être des space opéra ou ce qui est censé être des jeux voilà, un peu expansionnistes où tu vas de planète en planète. Ça n'a pas l'ambition d'être, tu vois, un Ratchet & Clank où une planète, c'est juste un niveau, tu vois. On a des ambitions un peu plus grandes. Donc je pense qu'il faut poser une base sympathique et ensuite l'agrémenter au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait dès le début. Ce qui compte, c'est que la base soit solide et puisse durer dans le temps, 5, 6 ans. Je pense que c'est là-dessus que BGE 2 doit aller. Et avec ou sans Michel Ancel, tu vois, je crois pas que ça ira. Hein. J'espère juste que ça ne va pas sortir trop tard, parce que c'est des jeux où ils tardent trop, des fois. Je pense qu'il faut... Dans une heure, hein. Dans une heure, il est là. Non, mais je pense qu'il ne faut pas l'attendre en 2022. De toute façon, dans le message du nouveau producteur du coup, de Beyond Good and Evil 2, il explique que c'est prévu sur console next-gen. Donc, je pense que voilà, 2022, me paraît pas improbable. Je t'interromps parce qu'il y a Sakuor qui n'a pas réussi à préco sa PS5. Donc, n'hésite pas, tu envoies un MP à Sylvain qui va se faire un plaisir de t'en acheter une. Juste de rire. Te répondre. De rire. En disant. S'il te plaît, fais ton travail. Hein, on attend ça de toi. T'es pas prévenu. Non, mais tu crois que j'ai que ça à faire. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter de jeuxvideo.com puisque dès qu'il y a du stock, on fait un post. Ouais. Moi, je pense que c'est pour les. Enfin, ceux qui paniquent, c'est les gens qui sont dans les grosses villes. Mais si vous habitez un peu en province, t'es caté. Un petit géant casino. T'es à l'ouverture de ton géant casino. Ah, ça va être bien. Le matin, elles sont là, les PS5, vous en faites ça. Je vais me faire dépouiller. Les gens vont tellement. Le 19 novembre. Je vais ramener une boîte d'une vieille console et pour mettre à la place. C'est... Hop! On va reskinner tout ça. Bon, allez, continuons maintenant. Elle rentrera jamais dans la boîte. C'est vrai. Je suis rendu à la boîte de PS1. Mais oui, parce que c'est vrai que attends, mais j'y pense, mais t'as une Smart, toi. Oui, et la PS5, faut une galerie. Il va falloir une galerie. Hein. Mais après, de toute façon, vous en faites pas. Il y a une philosophie qui est sûre, c'est que Sony ne sortira pas de gros jeux sur PS5 tant qu'ils pourront pas fournir des consoles. Donc, paniquez pas. Oui, c'est pas grave. Attendez, vous ne raterez pas les gros jeux PS5 si jamais vous l'avez 2-3 mois plus tard. Après, je comprends, il y en a, ils veulent la console pour Noël, tu vois. Mais tu sais ce que ça, je veux, à mon avis, je pense que ça va être. Tu sais ce que je veux, parce que je sais qu'il y a la rétro des PS4, c'est la manette.
J'ai envie d'avoir les. Bah, achète une manette et puis voilà, qu'est-ce qu'on a à foutre. Bah, tu veux pas jouer avec la manette PS5 sur la PS4 Non, mais tu peux. T'achètes une manette et puis tu t'amuses avec. C'est tout. Du DualSense, elle me fait kiffer. Ah oui, mais ça n'arrivera pas. Hoché, voilà, tu fais prendre un hochet. Non, mais tu vois, vraiment, je sais que pour l'instant, il y aura pas forcément les méga stars qu'on attend, mais cette expérience DualSense avec les nouvelles choses que ça va apporter, rien que sur Dirt 5, j'ai envie de voir ce que c'est que tu sens les différences de vibreurs, tout ça. Bon, ça vous parle pas beaucoup, mais c'est pas grave, moi je me comprends. Ah bah si, bah, en tant qu'expert CTCR jeu de voiture, c'est vrai. Je comprends ressentir les différents revêtements sous les pneus. Moi j'ai hâte de ressentir les vibrations dans Dead or Alive. Vraiment, mais alors toutes les vibrations, vraiment grâce au DualSense là, j'ai hâte. Ouais, bien sûr. On parlait sérieusement et il ramène ça de la discussion. Mais j'adore Dead or Alive, c'est un super jeu de combat. C'était des une Extreme Beach Volleyball. C'était grave le. Non, c'est pas grave. Ouais, en VR. Alors la suite. Mais c'est possible que la manette marche. Enfin, elle marchera peut-être pas avec les fonctions de DualSense, mais c'est possible qu'elle marche sur PS4. D'ailleurs, la manette PS4 marche sur PS3, il me semble bien. Oui. Mais en fait, qui peut le plus peut le moins. Et rajoute toujours des trucs en plus dans les manettes. Bon, je veux le haptique. Non, mais c'était terrible comme mec, toi. Hein. Ah ouais, il faut toujours que t'aies tout, quoi. Bah, ça, tu vas attendre à ton Auchan comme tout le monde. Non, mon géant casino. Casino. Mon géant casino. Hey, le premier qui me screen devant le géant casino. Ah, j'ai réservé la mienne à mon mammouth. Chez Fauchon. Bon, elle est à 1000 euros. Sinon, oui, il doit toujours rester des stocks sur la PS5 qui était entièrement en or, là. Ah ouais, j'avoue, tu peux prendre celle-là. Bah, ouais, 13 000 euros. Bah, on va appeler le dirigeant de chez le stream, savoir si je peux avoir accès. T'en prends 4 du coup. Ouais, ok, vas-y, on fait comme ça, pas de soucis. Bon, allez, continuons. On passe maintenant à Mass Effect Trilogy, et c'est toi, Ken, qui va nous en parler. Ah, tout à fait, puisque un leak fort intéressant qui nous vient d'une boutique portugaise, il me semble, un géant casino portugais, a listé ni plus ni moins que la trilogie Mass Effect dans les sorties des mois à venir sur absolument toutes les consoles, dont sur PlayStation 4, et c'est là où ça va être très intéressant parce que actuellement je crois qu'il n'existe pas de moyen de refaire la trilogie Mass Effect non. Sur PS4 il me semble. Oh bah que de la PS3, c'est que de la PS3, ouais. Ouais. C'est que de la PS3. Moi je l'ai fait sur PS3 la trilogie Mass Effect et il me semble que cette trilogie n'est pas sur le PS Now actuellement. Non. Donc si on veut eh bien, s'intéresser en tout cas à cette saga formidable, actuellement il n'y a que Andromeda qui est disponible du coup sur l'EA Play de la PlayStation. Mais non. Mais tu peux pas refaire les anciens parce que c'est des jeux PS3. Ah oui. Et la PS4 émule pas la PS3. Du coup, ça va être bonne nouvelle, la mise eh bien, à disposition de ces jeux sur PS4 et très probablement sur PS5 aussi, hein, d'ailleurs. Faudrait voir ce qu'ils vont en faire, parce que si c'est des portages simples, on va dire que le premier, il a besoin d'un petit coup de dépoussiérage en termes de mécanique et de gameplay. Et puis même de graphisme, c'est celui qui est le. Alors, il n'y avait pas marqué remaster ni quoi que ce soit. C'est plus une compilation. Je pense que l'upgrade graphique sera peut-être un peu similaire à ce que tu peux avoir sur PC quand tu as une meilleure carte graphique. Peut-être qu'il y aura du 60 FPS, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, parce que le premier a vieilli. A vraiment vieilli. En vrai, moi perso, j'attends que ça pour refaire la saga. Et tu sais que c'est une saga, alors j'ai laissé passer, je me dis, ah, j'attends vraiment un remaster des trois pour vraiment y retourner. Et ce serait, je pense que, allez, on va se projeter en 2021, mais si EA pouvait faire un remake de tous les premiers jeux à la sauce PS5, ça serait... Non, a priori, là, c'est vraiment pour remettre la licence sur le devant de la scène. Ouais. Avant, moi, je ne serais pas étonné de le voir arriver pour le N7 Day. Donc le 7 novembre, parce que du coup c'est le jour de Mass Effect, voilà, pour célébrer un peu tout ça. Et c'est pour préparer l'arrivée d'un nouveau Mass Effect prévu pour dans les années à venir. Ils l'ont après, ouais, là j'ai vu le jeu du coup listé aux alentours de 50 euros. Faut savoir que moi j'ai payé la trilogie Mass Effect en HD sur PlayStation 3 à l'époque 10. Ouais. Donc il faut repasser à la caisse quand même, quoi. Il y aura l'ensemble des DLC, contrairement à la trilogie, il n'y avait pas tous les DLC dans cette compilation. Ouais. Donc il y aura peut-être l'ensemble des DLC, il y aura peut-être un léger lifting graphique. Moi j'ai quand même eu la fin à jour de Mass Effect 3 avec cette trilogie. Oui, mais mise à jour gratuite. Ok, oui. D'accord, ok. Mais il y avait les principaux DLC, mais ils n'y étaient pas tous. C'est quoi la mage de la fin? Ils ont changé la fin de Mass Effect 3. Les deux n'étaient pas contents de la fin. Ils ont étoffé. Voilà, ils n'ont pas changé la fin. Ils ont étoffé en rajoutant des cinématiques. T'as eu quelle couleur? Au montage. Hein? T'as eu quelle couleur?
Je sais pas, bleu. Oh, tu sais. Bleu, bleu, ok. Parce j'ai eu la verte. Gros, la voilà, la verte, meilleure, hein, la c'est celle qui contentait tout le monde. Je gros. Comprends rien ce que vous dites. C'est un peu dommage. La verte, quoi. Là. Ouais, les fins sont représentées par des couleurs. Après, il faut savoir que j'ai fini Mass Effect 3 uniquement au coup de poing. Ah ouais. J'ai jamais utilisé aucune arme à feu, j'ai tout fait au coup de poing. J'espère que t'as eu un trophée. Non, il n'y a pas de trophée pour ça. Par contre, c'est rigolo. Hein. Quand t'as les tripodes qui t'attaquent, tu les martèles comme ça au coup de poing. One, ça, c'est pas. Ça, One, easy ou quoi? One Punch Shepard. Je le fais en mode narration. Ah oui, ok. Mm. Ouais, ah oui, d'accord, bah évidemment. Bah, ça a été ma meilleure expérience des trois Mass Effect. Hein. Ah ouais, ouais. T'as pris au moins une classe qui pouvait se projeter pour mettre des patates ou même pas? Non, t'es juste allé au corps. Ah, il y a une histoire de classe? Oui. Je sais pas, j'ai tout pris par défaut, j'ai mis des patates. Ok. Après, j'ai passé les dialogues et j'ai eu ma pantate de forain. Ouais. C'est ça. Bon, et terminons ces news maintenant avec les promos du PS Store. Là, ça va être d'autant plus d'actualité maintenant avec la PS5 digitale qui arrive. Je pense qu'on en aura de plus en plus. Quelles sont celles qui arrivent? Et oui, effectivement, autant profiter des promos en ce moment sur le PS Store qui vont s'afficher dans un tout petit instant grâce au talent de Tim. C'est le moment. Alors, ridicule. Alors attendez, on est effectivement. Parti. Alors, l'intérêt de ces promos, d'ailleurs, je tiens à le dire avant de passer à la suite suivante, c'est que si vous êtes PS Plus, vous avez donc une réduction supplémentaire. Donc là, les prix affichés, ce sont les prix qui sont avec PS Plus. Vous avez des réducts pour si vous n'êtes pas abonné PS Plus, mais si vous êtes PS Plus, vous avez quand même toutes ces promos. Donc on a du Red Dead Redemption 2 qui est à 29,35€. On a également du Mortal Kombat, c'est pas 35, c'est ça. C'est non. Dommage. On a du Assassin's Creed Odyssey qui est à 23,79€. On a du Spyro. Pourquoi je vois du Silent Hill là, on a du Silent Hill. Ah mais non, c'est le Dead by Daylight de Silent Hill. Ah, voilà. D'accord. Le mode Silent Hill, on a donc du Spyro, je le disais, on a du Mortal Kombat, on va passer à la set suivante mon cher Tim. On a du Grand Theft Auto 5, du Farming Simulator, du SnowRunner, etc., etc. On a du Star Wars Jedi hein, qui est à 39,99€. Et enfin la set suivante qui clôture ses promos disponibles sur le PS Store dès à présent, du No Man's Sky, du Tomb Raider, voilà, le dernier Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, qui est à 15,99€ et 17,99€ avec la version DLC. Metro, vous avez aussi du World War Z. Voilà, tout ça, c'est dispo pour pas trop cher. Donc, n'hésitez pas à vous les acheter pour en profiter sur votre PS5 ouais. All Digital. J'ai vu qu'il y avait aussi Pathfinder Kingmaker que je suis oui. en train de faire, qui est un bon petit CRPG. Il est en français ou en anglais? Il est en français. Okay. Et d'ailleurs, avec des contrôles bien adaptés au pad. Est-ce que quelqu'un a testé le... Je sais pas si c'est une expérience, c'est un vrai jeu, le Dark Vador en VR? Ah, alors il paraît que c'est vraiment chouette. Parce que là, je l'ai vu hier qu'il était sur le PSVR, mais je me dis, c'est vrai qu'il est dispo. Je vais essayer de récupérer un code et on essaiera de le tester dans les prochaines semaines. Ah mais ouais, sinon, franchement, il paraît que c'est un bon jeu. Et j'ai envie de m'y mettre là. Dites-le nous si vous l'avez testé sur le chat et si c'est Bing. Vador Immortal. Voilà, exactement. Je pense qu'on va avoir des résultats assez rapidement. En attendant! On va passer au trailer de la semaine. Je ne sais pas de quoi on parle. Pourquoi ah ouais Sylvain n'a quoi, pas voulu me dire? Il a-t-il un énorme sourire? Alors, je le connais. Hein. Non, tu es sûr que je ne suis pas concerné? Non. Parce que toi, je te connais, tu vas me montrer un DLC de Kingdom Hearts. Tu vas me montrer le prochain film où il n'y a pas mon personnage. Miles Morales, où on va entendre Miles parler tout le temps, c'est ça? On va t'entendre parler toi aussi, t'inquiète pas. Ouais, bon, vas-y, fais péter le trailer, je ne sais pas ce que vas-y t'as. Peggy 16. Qu'avez-vous vu là-bas? Encore. Voyez plus loin que les terres désolées et gelées. Ça fait beaucoup là, non? Europe renferme bien des mystères. Ne vous perdez pas. Nous sommes tous venus sur cette lune en quête de réponses. Qu'espérez-vous trouver ici? Europe a longtemps été le berceau des ténèbres. Son histoire pourrait être la clé de notre combat. Aidez-moi à la découvrir. Les plus grands secrets d'Europe
sont à notre portée. C'est beau, c'est beau. Non mais, vas-y, vas-y, fais ta news, hein, je veux dire. Non mais voilà. Vous avez vu un petit peu ce qui nous a fait nouveau. Ce coup de Trafalgar, là. Moi, c'est pas ce qui a marqué sur le conducteur. C'est vrai que c'est pas. Alors, à la base, pour les petites coulisses, c'était Crash Bandicoot qui était prévu, mais ça attendra la semaine prochaine. Là, il y a un nouveau trailer des Destiny qui était sorti, qui était un peu plus frais. Donc, je me suis dit, allons-y. C'est un des meilleurs jeux de cette fin d'année, pour rappel. Mais du coup, les gens, n'hésitez pas à nous dire si vous auriez préféré avoir Crash Bandicoot sans trailer de la semaine sur le chat. Allez. Et franchement, je savais qu'il y a un coup qui arrivait, mais j'ai vu Destiny, je fais, mais non. Il a osé. En tout cas, ça sort le 10 novembre. Je rappelle que vous pouvez le précommander dès à présent sur le PlayStation Store. Il y aura différentes éditions. Vous savez quoi ? Je m'en fous. Tout le monde crache. Je m'en fous du chat. Je rappelle juste que là, ce qu'on a vu, donc, c'est la nouvelle planète Europe, la lune de Jupiter, qui sera le lieu du nouveau scénario de cette extension. Et que bah, voilà, ce sera l'occasion de découvrir notamment une nouvelle classe au niveau des gardiens, une nouvelle sous-classe sur chacune des classes des gardiens. Le 10 novembre prochain, sur PlayStation 4 et également sur PlayStation 5, puisque le jeu est disponible en free-to-play, l'extension, elle, coûte 45€. Ça sera cross-save, cross-play, donc vous pourrez jouer avec vos amis PS4 si vous avez la PS5 et télécharger le jeu et récupérer l'ensemble de vos DLC sans surcoût supplémentaire. Excellente nouvelle. Si vous l'achetez sur PS4, vous récupérez gratuitement sur PS5 l'extension Au-delà de la lumière. C'est bien, le 10 novembre, c'est un mois où en plus j'avais rien à faire comme jeu. c'est parfait. C'est faire le jeu. Non, mais c'est plutôt pas mal puisqu'ils fournissent gratuitement la version PS5. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais tu vas faire quoi au mois de novembre? C'est quoi, tu vas le faire Cyberpunk? Tu regardes, t'as vu tout ce qui sort au mois de novembre? Non mais d'accord, mais quoi, c'était Cyberpunk? Mais il y a du Cyberpunk, il y a Assassin's Creed Valhalla, il y a... Ah mais il faut 6 mois pour faire Assassin's Creed, j'attends le programme. Il y a Demon's Souls, il y a Miles Morales, il y a Yakuza 7, il y a... Non mais le mois... On commence pas, Titavion. Hein, tu vas faire Cyberpunk, ça suffit, hein. Pas ton patch Next Gen qui arrive au mois de février. Moi j'y touche pas, hein. Moi, j'y touche pas. Vous devez choisir qu'un seul jeu de novembre, vous prenez lequel? Oui. Un petit avion, tu peux pas choisir, toi. Je suis plus là. Oh là là. Qu'un seul jeu de novembre, Donald. T'as un seul jeu en novembre, tu veux choisir qu'un seul jeu, tu prends lequel? J'ai la réponse, mais pourtant, il me fait peur, et je l'aime d'amour, cette licence, mais je prends Assassin's Creed Valhalla, mais j'ai très peur. C'est la première fois que j'ai pas commandé le collector depuis le début de la saga. C'est la première année. Je vais le faire, mais je sais pas. J'ai un petit doute. Je sais. En vrai, ça se bat énormément entre Cyberpunk et Assassin. Tu vois, donc. Mais Cyberpunk, je l'aurais choisi s'il avait le patch Next Gen. C'est les plus attendus, tu vois. S'il y avait le patch Next Gen, c'est un. Next Gen. Vas-y, fais patch Next Gen. Patch Next Gen. Bon, ok, ça va. C'est toi le comédien de doublage, hein. Moi, après, je veux pas donner de leçons. Hein. Il est désagréable. Non, mais voilà. Mais attends. Non, même pas Spider-Man, c'est un truc trop simple, Kilo. Il y a déjà joué. Comme dans relou. Ouais. Bonjour, alors c'est pour la petite pression chaque semaine. Ah, jusqu'au 19 novembre, tu vas t'en prendre une tous les jours. La petite cartouchette des familles. Mais ouais, non, mais Cyberpunk, je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas le patch Day One. J'aurais aimé, hein, mais je ne vais vraiment pas le faire à cause de ça. J'attends février. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vraiment Yakuza, moi, qui me. Ça, il a l'air fou, le jeu. Ouais. J'ai vraiment pas envie de le rater, en fait. Je comprends. L'embouteillage sera. Oh oui, l'embouteillage, il est vraiment. Ce sera pas pire qu'au mois de mars qu'on n'a pas eu l'année dernière. Ouais, mais au mois de novembre, là, ça va être ouf, hein. Moi, je suis pareil, je pense que si je dois choisir un jeu, c'est Yakuza parce que Cyberpunk. Je vais en profiter en mode jeu de nouvelle génération, tu vois. Moi, ce sera Assassin's Creed Valhalla. Parce que j'aime beaucoup les assassins. Bah ouais. Là, j'ai toujours pas fait ni Odyssey ni Origine, moi. En fait, c'est des jeux qui me font peur par leur taille. Bah, ouais, franchement, l'ayant fait de bout en bout, donc platine, si t'es pas fan absolu, va te voir. J'ai vu que les jeux étaient pas très bien optimisés sur cette génération de consoles d'ailleurs, c'est vrai ou pas? Non, le HDR il est beau, non, c'est très beau. Mais à part ça, du framerate.
Non, c'est bien. Framerate, c'est du 30 fixe. 30 fixe ouais, 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 ouais. Pas mal. Non, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que tu as vraiment le remplissage des sous-quêtes. C'est un peu tout le temps pareil. Mais la quête principale est géniale et t'en as, même la quête principale, elle est très longue avec tous les DLC. Et t'as vraiment de quoi faire. C'est utile de faire des sous-quêtes dans ce jeu-là ? Non. Alors que Destiny 2, ce sera de la 4K 60 FPS. Voilà. Je non, mais c'est bien. Encore. C'est ça, encore. Ouais. C'est intéressant si t'aimes vraiment ça. Moi, j'ai kiffé me balader dans la Grèce et faire toutes les quêtes. C'était cool. Mais c'est vrai que le scénario. Moi, je veux juste faire l'histoire des jeux. Un jour, j'ai jamais fait vraiment de assassin. Jamais, d'ailleurs. C'est bah, pas... va en ligne droite. Tu mettras 20-30 heures et t'auras tout. C'est tout ? Bah, si tu veux en ligne droite, de ligne droite, oui. Ah ouais ? Ouais. Oh bah, vas-y, go. C'est quand qu'on confine, là ? Bah, vas-y, on s'y remet. Allez, faisons-nous des hugs. On commence par nous. Le cluster, le Valois. On va attendre qu'ils mettent à jour les jeux pour la PS5, quand même. Ouais, voilà, moi, je veux le 60 frames par seconde, quand même, minimum. Je voudrais faire un petit aparté important. Oula. Suite à quelqu'un du chat qui... Parce quoi ? Voilà, c'est pas Offspring, c'est Guren Lagann. Bah, c'est Guren Lagann. Bah, voilà, moi, j'ai dit Offspring à la base. Guren Lagann. Lagan, bon ouais. Bref, c'est pas grave. Roro fight the power. Tout à fait. C'est pas toi qui double Guren Lagann. Je connais pas la licence. Guren Lagann. Sûrement ouais, non, t'as parce que t'as fait le personnage principal de Promare. T'as fait oui sur Promare. Ah oui, mais oui. Comme c'est le même profil. Ah mais c'est de perso. Court, hein, moi Promare, hein. Je connaissais pas le truc avant de bosser dessus. Hein. Oh, mais pas de souci. Ça n'a pas empêché d'avoir bien kiffé ce jour-là. Bon, en attendant, vous l'avez vu évidemment, c'était mercredi soir, le 16. C'était le 16 à 22h. Et c'était très cool. Qui l'a regardé en direct ? Bah moi. Toi tu l'as regardé ? Mais qui n'a pas regardé quoi ? Tu l'as regardé en direct la conf PS5 ? Ah bah oui. Je l'ai regardé retransmis sur YouTube. Je sais pas si elle était en 4K ou pas, mais en tout cas, non. Bah l'image était beaucoup plus belle que la précédente qu'ils ont faite. Ah oui, bah franchement en même temps, beaucoup plus belle. Confinement, ouais. C'était super agréable à regarder sur un écran 4K. Ah, c'était ça mettait cool, bien mieux en avant les jeux que le précédent showcase. Moi j'ai été beaucoup plus hypé par cette conf là que la précédente de jeu. Mais en tout cas, on va en parler tout de suite dans le dossier et croyez-moi, on a plein à dire. Mais avant ça, si je dis pas de bêtises, on regarde une petite vidéo juste après. Oh, j'ai bien suivi le conducteur, je suis banni le dossier. Et c'est vrai que quand c'était ce petit moment-là de la conf, la musique a été bien, tout. J'ai kiffé. Mais t'as vu qu'ils ont changé le. Avant c'était For the Players, maintenant c'est Play Has No Limits. Ont changé. Jouer ils avaient pas assez de grand angle, t'as vu. Donc ça, c'est le nouveau slogan officiel pour cette génération. Là, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, ce qu'on disait juste avant le trailer, je l'ai trouvé plus belle visuellement. Ouais, visuellement. Ils ont peut-être fait gaffe à ça, la compression, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était propre. Et moi, j'étais hypé, j'ai kiffé la conf, je me suis éclaté. Et alors, la fin, God of War, ça m'a achevé. J'ai fait, oh, magnifique. Trop bien. C'est vrai que c'était un beau jeu de fin de conf, même si on n'a pas vu grand-chose. Mais oui, bah, du coup, 399 euros et 499 € pour la version avec lecteur disque. On avait tout bon. Je crois qu'on avait tout bon. Hein. Et Jim Ryan d'ailleurs a réagi aux rumeurs qui annonçaient que Sony aurait changé à la dernière minute ses prix après les annonces Xbox. Jim Ryan avait dit non, les prix on les avait choisis en début d'année. Alors après c'est ses déclarations à lui, mais il va pas dire le contraire. Mais en même temps, je pense que oui, un prix de console ça se change pas en une semaine. Parce que vu tout le travail derrière, tu dois être adapté, mais en tout cas c'est des prix qui sont conformes à ce qu'on espérait tous. C'est pas trop élevé. Non. Ça permet, je pense véritablement, d'avoir la. J'aime pas dire ça parce que c'est quand même de la next gen, mais la vraie next gen à partir de 400 €. Là où la One S, la série S, pardon, elle certes c'est une next gen, mais c'est quand même une console moins puissante. Alors que pour 399 €, c'est la même sans lecteur. C'est juste la même sans lecteur. 100 balles de moins quand même. 100 balles de moins, c'est ça. Donc, franchement, de ce côté-là, je trouve que le positionnement tarifaire il est intéressant. Mais une chose quand même aussi à retenir, c'est qu'a priori les stocks sont beaucoup moins important sur la version all digital que sur la version avec disque. C'est normal. Parce que clairement, Sony doivent, je pense, perdre pas mal d'argent, beaucoup plus d'argent sur la version digital que sur la version classique, et qui veulent pousser les gens à dépenser 500 balles plutôt que. Mais c'est un produit d'appel, la digitale. Oui. Clairement, aujourd'hui, que ce soit Choco Bonplomb ou Hamster, des promos, il y en a tous les jours. Le jeu, il sort au mois de décembre, au mois de février, il est à moitié. Donc c'est vrai que
on en parle à chaque émission, mais je pense que c'est vraiment pour un public de casu, All Digital. Et par contre, c'est vrai qu'on en parlait de la date. On entendait parler partout de 12 novembre, début novembre, et puis le plus tard dans le reste du monde. On s'en sort bien, on a perdu qu'une semaine. Oui, alors c'est oui, ça. Nous on perd la semaine. Nous on perd la semaine. C'est 19. C'est 19. 19 novembre au lieu du 10. Mais je pense que c'est du 13. Du 12. Du 13. C'est du 13. 13. 12-13. Je pense que clairement ils étaient obligés de se lancer aux États-Unis en premier parce que c'est là où véritablement le marché se construit et c'est là où PlayStation et Xbox font quasiment jeu égal, hein, même sur PS4 et Xbox One. L'Europe et le Japon peut. Je crois que le Japon est concerné aussi par la date de sortie de 12 novembre. Oui. Oui, en fait, tous les pays qui sont frontaliers du Pacifique, d'accord, sont servis. Et, nous, et coup, les autres, après. Je pense qu'il y a moins de nécessité en Europe à ce que la PS5 arrive quasiment en même temps que la Xbox. C'est parce que, voilà, on l'a vu sur les nombreux sondages, que ce soit sur jeuxvideo.com ou ailleurs, les joueurs européens, ils vont massivement vers la PS5. Qu'importe les annonces, qu'importe les rachats, ils restent de toute façon. Prends l'exemple de Titavion. Pendant une semaine... T'as tout le stream game asiatique qui va faire Demon's Souls sur sa gueule. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il va pas être le premier à importer sa console et à le payer 200 euros plus cher pour faire Demon's Souls avant? Bien non, sûr, parce que tu vas faire je ça. Pense, je pense sûr. Que si Sony fait les choses correctement, collecteur importé et pas à 400. Comme à l'époque de la PS3 ou autre, il fera en sorte que les influenceurs et les journalistes reçoivent la console avant, en Europe, la console avant la sortie américaine. Je suis pas sûr que la Fnac, c'est Petit Avion le streamer, on va lui envoyer plutôt. Si Sony pense, c'est Petit Avion le streamer. Mais et je pense qu'il fera en sorte que ces influenceurs et compagnie puissent streamer le jour de la sortie américaine, les différents jeux pour pas que tout le monde soit lésé. J'ai fait un calcul. J'ai Oula. Fait un calcul qui va peut-être plaire à tout le monde et c'est mon astuce consommation pour CTCR. En effet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le prix de vente, merci beaucoup hein, pour le son, le prix de vente de la PlayStation 5 au Japon est de 48 700 yens. Ce qui fait moins de 400 euros pour la version CD. Si vous payez un envoi rapide UPS en 2 jours livré chez vous, le prix des frais de port est inférieur à la différence du prix entre la version européenne et ça. Et donc vous pouvez douane. L'avoir avant et moins cher. Oui, et les et frais de douane. Ah oui. Ça, évidemment. C'est la loterie. Voilà. On expliquera que c'est, je sais pas, une peluche très très lestée. Alors, une grosse peluche très très lestée. Hein. Et là, tu gagnes de l'argent. Oui, non, mais attention, parce que là-bas, faut pas oublier que le prix, il est en dollars, il n'y a pas les taxes. Donc, ça fait. Ah, mais ça toi, quand tu préco, tu précommandes sans les taxes. Sinon, vous, l'écologie, ça se passe comment? T'as la facture carbone de la PS5. C'est clair. Ah, bah, 3 camions de cargo. Cormoran. Mais la République, elles viendront d'où les consoles qui sera là l'avant. J'avoue. Des camions bio de Sony. Exactement. Et ouais. Mais bon, voilà, oui, effectivement, il y a toujours ces petites filouteries. Mais bon, en attendant, effectivement, on sera servi le 19 novembre. Il faut prendre son mal en patience. Ouais, une petite semaine, ça aurait pu être vraiment bien pire. Moi, j'ai flippé. Toute raison gardée. Hein. Mais je me suis dit, ça se trouve, ça va être genre du 20 décembre, 15 décembre pour le Noël. Bah. Après, Amazon a quand même prévenu ses clients en disant qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 jours de retard sur les précommandes PS5. Donc, c'est pas parce que tu l'as précommandé le jour J que tu l'auras. Leclerc, et Auchan Casino. Ont précisé, alors je ne sais pas, mais en tout cas, ces deux revendeurs ont précisé que s'ils prenaient encore des précommandes, c'est justement parce qu'ils étaient sûrs de livrer. Mais le problème, c'est que tous ne connaissent pas véritablement les stocks, d'autant plus que les centrales d'achat, elles, ont fixé des conditions et vont surtout réserver les stocks à des très bons clients qui leur achètent des jeux, des accessoires, des trucs, etc. Donc je pense qu'il y aura malheureusement quelques mauvaises surprises, mais Sony s'est excusé justement du lancement des précommandes un peu à la surprise générale, parce qu'à la base, ils avaient dit qu'ils l'annonceraient en avance. Ils ont dit qu'ils feraient tout pour qu'il y ait du stock supplémentaire en précommande et qu'il y ait du stock de consoles d'ici Noël. Mm-hmm. On verra si tout cela se confirme. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas forcément être évident. Il y a embouteillage. J'aurais dû le prendre dès le début, là, sur les sites qui étaient disponibles. Là, et j'ai voulu faire mon « Non, je ne prends pas sur ton site, je prends sur un autre. »
J'aurais pas dû. Ouais, c'est pas la mort. Ouais. M'en retrouver chez ED. Chez Aldi. Écoute, ED, c'est fini, si j'en reçois 4-5, je t'appelle. Ok, pas de soucis. Bon, on va faire. Mais si t'en reçois 4-5, c'est t'en auras payé 4-5. Donc fais gaffe, la facture, tu t'as bien. Il a pas fait gaffe. Il faut laisser faire refresh à chaque fois. Il faisait commander. La carte qui était mémorisée. Je suis un bot de commande. Regardez ce léger doute qu'il habite non, désormais. Non, j'en ai pris qu'aucune seule. Pas revendeur. J'ai foi. Non, vraiment qu'une seule. J'y crois à mort. Bon, et alors du coup, on va parler maintenant des jeux. Et ce sera quoi, toi, ton petit pack de démarrage, si tu en prends plusieurs? C'est le pack de démarrage, c'est Miles Morales, clairement. Parce que j'ai adoré le jeu de base. Donc, forcément. Voilà. Et Demon's Souls, hein. Ça, c'est étonnant, ça. Ouais, c'est ouais. For Honor hein? Non. For Honor n'est même PS5. Pas annoncé. Si, c'est vrai que For Honor n'est pas annoncé. N'est pas annoncé PS5. Il sera compatible, très probablement, mais effectivement... Ils vont faire une version spéciale. For Honor 2. Et upgraded. Une petite avion édition. ils vont me faire en héros dans le jeu. C'est ça. Mettre avec un marteau avec une PS5 au bout. Écoute, et puis t'auras Ken à côté avec ses poings et comme Mass Effect. Si Benzaï a réussi à faire une mauvaise VF sur un jeu, tu peux bien être un PNJ dans For Honor. Hein. Oh là là, ça va y aller. Voilà. Passons au jeu. Rip, tu veux bien, mon cher Donald. Je t'ai pas dit, mais il est à côté, justement. Ah oui, on va lui dire bonjour. Allons-y. Bon, alors du coup, on va parler maintenant des jeux et on va vous parler de Final Fantasy XVI et on vous montre ça. On en parle juste après. Peggy 18. You all know the target, Shiva's dominant, and only the dominant. How do we even know the girl will be among us? Our kind do not question orders, we follow them. Sergeant, let's summon their icon. Icon? That thing's a bloody mountain. Our foe will not relinquish their mother crystal easily. This will be a bitter fight. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will be expecting us. I am Joshua's shield. I'm sworn to protect him. You refuse? Did you not pledge your sword to our cause? What does it matter? It was the Dalmex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. Imperial vipers. Do they really mean to invade us? It's the Archduke's son. Enough.
I'll kill you. If it's the last thing I do. Maintenant, après 7 heures de trailer, c'est la fin de ce CTCR. Merci à tous d'avoir regardé. Non, mais FF16, moi personnellement, enfin, il y a plusieurs choses que je retiens dans ce trailer. C'est le fait qu'ils reviennent à l'univers médiéval, et ça, c'est une excellente chose parce que c'est toujours les meilleurs épisodes. Et les coupes Vivelled Up. Et les coupes Vivelled Up, mais bon, ça, globalement, je pense que depuis très longtemps, c'est comme ça. Mais franchement. Il y a des bonnes choses. Le fait que, alors certes, on peut revenir sur les graphismes, le fait que ce soit le moteur de FF14 amélioré, le fait que le jeu a moins la gueule next-gen qu'on pourrait espérer avoir. Cela étant, donc, c'est une partie de l'équipe de développement de FF14 qui est sur ce nouvel épisode. Je trouve que c'est un message fort qui est envoyé par Square Enix, parce qu'on rappelle que le directeur du jeu, c'est celui qui a sauvé FF14. Voilà, Naoki Yoshida, merci, de son nom. Et effectivement, je pense que le mettre à la tête du développement d'FF16, c'est montrer que, en tout cas, je l'espère pour eux, qu'ils ont appris des erreurs de FF15. Le côté monde ouvert, mais mal trafiqué, etc. Le scénario à ne plus savoir qu'en faire, le développement à rallonge, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui ont été faites sur FF15. Et avec FF16, en choisissant cette personne-là, ils savent qu'ils vont proposer un FF qui plaît à des millions de joueurs, puisque FF14 est probablement l'un des plus gros succès de Square Enix, de l'histoire de Square Enix. Et tu vas voir que là où on ne demande pas une VF, ils vont en faire une. Oh, il y aura très probablement une VF, ouais. Bah, ouais. Il y en a dans le 14, il y en a dans le 15, oui, VF. Oui. Ouais. Non, mais je pense que vous avez un peu les deux extrêmes en termes de... d'appréciation de ce FF16 côte à côte. Non, on ne voit pas les choses de la même façon. Oui. Mais je pense que ce FF16, il plaît beaucoup aux joueurs de FF14. C'est exactement ce que j'allais dire. T'es joueur de FF14, tu vois. Oui, ça, voilà, parce que ça a l'air d'être une grosse histoire qui se passe un peu dans le même univers. Ça se voit même au niveau de la tête des chocobos, trucs comme ça. Je pense que ça se passe dans le même monde. T'as le cristal, machin, enfin tout ça, tous les. La musique, non, on l'a dans le même monde, je pense. Ouais. Sinon, les invocations auraient la même tête, elles ont pas la même tête. Ah, Ifrit et Titan. Oui, et puis t'as des invocations qui sont plus proches de celles de FF15. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont conservé le gameplay de FF15, le gameplay très action, et c'est une des grandes réussites de FF15. S'il y avait une chose à retenir, ça serait ça. Je l'ai pas fait, Lucas. Ne le fais pas, hein, il n'en vaut pas la peine. Et voilà, puis la musique, ça ressemble beaucoup à du Soken, c'est celui qui fait 90% des musiques de FF14. Extraordinaire, les musiques. Les musiques, là, c'est dans le trailer. C'est une belle musique de trailer, en tout cas. Là. Ouais. Non, mais moi, ça faisait très très longtemps que je n'étais pas hypé à ce point par un FF. Genre, ça remonte genre au 9, quoi. Ma dernière grosse hype sur un FF. Donc. Très curieux, très envie d'y jouer. Ce qui est ouf, c'est que ce sera sur PS5 et sur PC. Mais c'est quand même, ils ont commencé la conf là-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'était quand même marqué déjà le territoire. C'est boum, on met un jeu et vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire que oui, en termes d'annonce, de première annonce, c'est quand même assez gros. Ouais, mais a priori, Yoshida, il a dit que le jeu n'était pas du tout prévu pour tout de suite. Donc, on a vu beaucoup dans ce trailer, mais en fait, pas vraiment. Vraisemblablement, vu qu'il reste. Moi, j'ai l'impression que ça spoil toute l'histoire. Mais il faut croire que non, vu qu'il reste 2 ans de développement. Donc, on est encore très, très loin d'avoir. En tout cas, il donne rendez-vous en 2021. Pour ouais, je pense que le trailer. Il y a quand même énormément de raisons d'être un peu satisfait. Si t'as aimé FF15, le trailer que tu vois là, à mon avis, t'es plutôt en kiff. Si FF15, t'as aimé, mais par contre, les combats, t'as trouvé ça nul, tu vois ça, tu dis, oh là, ils ont bossé les combats, tu vois, je vais moins être déçu. Donc, t'es aussi satisfait. En fait, les seuls qui peuvent ne pas être satisfaits par ce trailer, c'est ceux qui ont apprécié FF jusqu'au 13. Des boomers. Et pour qui, après, tu vois, que ce soit les MMORPG ou le 15, c'était pas trop leur cam, et qui ont préféré FF7 Remake. Tu vois, mais ce qui est cool, c'est que FF7 Remake, il y aura plusieurs parties, donc ça sera, tu vois, aussi une continuité peut-être de FF un peu plus à l'ancienne. Ouais. Et bah, FF16, ça continuera l'orientation action RPG, Kingdom Hearts-esque.
qu'avait qu'à la licence depuis le 15. Très bien. Ouais. J'avais fait la démo du 15 et j'ai eu du mal en sortant du tour par tour FF que j'aimais beaucoup. Après, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de tour par tour. Je sais, mais il y a longtemps que je n'ai pas fait des FF aussi. Moi, j'ai du mal avec FF15 pour de nombreuses raisons. C'est le jeu, il est cassé de toute façon. Enfin, dans son développement à rallonge, comme dans son scénario, comme dans son monde ouvert, il est cassé à de multiples reprises. Il n'est pas désagréable, mais il est interminable et chiant à de multiples reprises. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé l'univers de FF13, celui aussi d'FF10, celui d'FF12. 10, c'était cool. Voilà, 10, c'était cool. Peut-être que cet épisode 16 va vraiment me réconcilier avec la licence. Je suis beaucoup moins fan de FF7, pour le coup, parce que l'univers est trop... C'est génial. Ouais, l'univers cyberpunk... steampunk, pardon. La porte, elle est là-bas. Ouais. Et beaucoup moins ma cam. Mais enfin, voilà, il y a pas mal de bonnes choses à attendre de ce FF16, je l'espère. Au-delà donc, de ses graphismes, peut-être qu'ils ne font certes pas next-gen. Après, ouais, mais si ça arrive dans longtemps, le temps avant de voir venir. Hein. Exactement. Cela étant, longtemps. J'ai remarqué une chose, c'est que vraisemblablement, ils ont complètement abandonné les héroïnes féminines dans Final Fantasy. Elles font du blitzball. C'est une présentation. Oui, mais le héros principal, il y a quelques personnages féminins. Mais, on ne sait même pas si on pourra jouer à plusieurs dans une équipe. Après, on sait rien. Yoshida, c'est pas le dernier pour mettre des femmes en avant dans ces jeux généralement. Enfin, je comprends pas. Lightning est probablement un des meilleurs héros de la saga Final Fantasy et ils ont fait un super truc avec Lightning et pourtant je comprends pas que ça leur ait pas donné des idées en se disant tiens allez c'est vrai que le 15 ça faisait un peu la fête à la saucisse hein, ouais, dans une voiture en noir la séquence où on voit mon dieu j'ai oublié son prénom mais la fille que l'on voit au tout début du jeu j'ai oublié comment elle s'appelait dans FF15 dans la station essence tout Cid ça. Je crois qu'elle s'appelle Cid. C'est ça. Elle arrive, elle a un décolleté plongeant machin, c'est beaufitude absolue. Enfin, j'espère véritablement que ce FF16, déjà, on pourra jouer une héroïne féminine et puis qu'on pourra un petit peu juste éviter les poncifs habituels d'un RPG japonais, quoi. Mmh. Ce serait bien, on est en 2020. Et à noter que, du coup, la personne en charge des combats sur FF16 est la personne qui s'est occupée des combats de DMC5. Et de Marvel vs Capcom 2. Oh là là. Du coup, donc, c'est cool. Un joli donc palmarès. On est bien dans le FF, hein. C'est sûr. On peut être mais rassuré. En tout cas, on a vu que le trailer, ça sort dans longtemps et je pense que ce sera sûrement une belle surprise. Évidemment, on regardera ça à la suite en détail ensemble plus tard dans cet ECR saison 2022. Continuons maintenant avec Resident Evil Village. J'ai failli dire 8. Je sais plus quoi dire maintenant. Ils vont nous refaire le Battlefield V, hein, je vous le dis. Hein, c'est parti. Hein. C'est vrai, je crois qu'officiellement, c'est quand même Resident Evil Village. Hein. Ouais. Alors mais qu'un gros 8, quoi, tu vois bien. Tu peux dire Village. Oui, voilà, Village. Après c'est Titavion le spécialiste de Resident Evil mais perso moi il on n'a pas le droit au trailer envie. Ah merde je crois qu'il y avait tous les trailers quand même. Alors c'est pour le coup peut-être le jeu qui m'a le plus impressionné visuellement, le trailer qui m'a le plus impressionné. Tout de suite on le regarde. Non. Quel escroc là. Non, pour le coup, ça a l'air très cool, ça présente un univers assez intéressant. Il y avait une petite partie qui faisait très Burton, avec une petite histoire racontée. Que dire de plus, à part que j'ai envie d'y jouer. J'ai envie de jouer à tous les jeux hein, qui ont été montrés quasiment dans cette conférence. Donc, à noter que celui-là est vraiment une exclue next-gen. Ils avaient expliqué que... Y a des rumeurs comme quoi ils pourraient finalement sortir aussi sur PS4 et Xbox One. Sur le site officiel, la précédente génération n'est pas mentionnée. Il me semble qu'ils avaient annoncé que ça allait être un titre exclusivement next-gen, puisque tout ce qui est gestion de la map, tout ça, ça profitait du SSD, tout ça. Il me semble qu'à l'annonce, ils avaient expliqué ça. À mon avis, ça me paraît très compliqué vu la fenêtre de sortie du jeu et le parc de consoles qui risque d'être installé. Mais pourquoi pas hein. Enfin, dans tous les cas... Ça va faire peur, c'est pas pour moi. Ouais, j'ai très envie. C'est j'ai tout. Très envie. Suite, je suis mort. La formule du 7, j'avais trouvé ça cool. Là, s'ils vont encore un peu plus loin. Parce que là, c'est clairement le trailer qui m'a le plus impressionné. Ils m'ont limite donné envie, re-envie de jouer à Resident Evil avec ce trailer-là. Toi ? Ouais, j'aime bien les phases, tu sais, avec la petite comptine là-dessus. J'avais l'impression de sortir un peu de Resident Evil. Visuellement, comparé au premier trailer avec Louis de Funès, je trouve ça bluffant. Vraiment, ouais, c'est le trailer qui m'a le plus plu, en tout cas visuellement, en termes de réal. C'est toujours un jeu à la première personne. Oui. Ah ouais ? Oui, oui.
Okay. Ouais, comme le 7, quoi, c'est ouais, ça comme c'est, le 7. Un, ouais. C'est un FPS, le 7. Enfin, c'est, à quel point j'ai jamais joué, si je sais même pas si c'était un FPS. Ça aurait pu être un TPS, je vous aurais cru quand même. Passons maintenant à la suite avec une annonce surprenante. Si vous aimez bien, justement, on en parlait dans Final Fantasy. C'est, décidément, c'est pas mon cas pour pas mal, là. Mais Devil May Cry 5, qui est version remaster, qui est un petit peu le... C'est pas un remaster, c'est la spéciale édition. Voilà. C'est comme ils font habituellement, c'est-à-dire qu'ils ressortent le jeu, une version plus avec Virgil. C'est ça depuis le 3, hein, je crois. Et pour ceux qui n'achètent pas de PS5, Virgil sera dispo un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Mais le véritable nom, c'est un portage ray tracing. Ah ouais. Tu vois, donc c'est comme les portages HD, là c'est un portage ray tracing. Ouais. Mais, bah, ils ont annoncé un mode turbo, ils ont annoncé un mode où tu aurais deux fois plus d'ennemis, alors ça va être d'une violence incroyable. Faites très attention au trailer si vous n'avez pas encore fait le jeu et que vous voulez le faire. Il y va à mort dans le spoil, le trailer, c'est très violent. C'est-à-dire que tu n'as plus aucune surprise dans le scénar du jeu de base, donc voilà. J'ai déjà oublié. Mais en tout cas, le jeu, voilà, c'est un gameplay qui est cool, donc j'ai hâte de tester Virgil parce qu'ils avaient fait des gameplays. Vraiment cool avec les trois héros du 5. Donc tu peux nous rappeler qui est Virgil ? Le frère de Dante. Voilà. C'était pas forcément évident pour tous. Oui. Petit avion, nous n'avons pas tous cette culture d'Evil May Cry. C'est vrai. Hein ? Mais c'est les deux, ils se tirent la bourre et c'est marrant. On est d'accord que c'est le Re-Engine derrière ? C'est le même moteur que R7 et R8. Ah ouais, ouais. Ils font tout sur Rive maintenant. Et franchement, enfin, le jeu est splendide, quoi. Donc en ray tracing, avec les effets de ray tracing. Après, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un patch sur la version PS4 disponible sur PS5. Mais bon, pour ceux qui veulent juste Virgil, il sera jouable un peu plus tard en DLC. Donc c'est pas... Je crois que c'est un des meilleurs beat 'em all de ces dernières années, tout confondu en fait. Oui. Ouais, mais... Ouais, le fameux Turbo Mode. Et ouais. D'ailleurs, Platinum Game. Devrait peut-être te prendre exemple un tout petit peu sur ce qu'est en train de faire Capcom. Largement. Mm. Ça a l'air beau en tout cas, hein. C'est d'une fluidité. Voilà le nombre d'ennemis là quand tu dois faire un coup. La fluidité de tout ça là, il n'y a pas de ralentissement. Ça spoil tellement. Ah ouais. Pas grave. Oh là là, c'est violent. Le trailer, il est. Deuxième fois que je le vois, je pense pas encore avoir été spoil, donc ça va. C'est ton œil d'expert. Bah, y a la fin du jeu juste. Hein. Oui, il y a la fin du jeu, globalement. Non, mais si vous le dites pas, les gens le savent. Bah, ouais, voilà. Tout va bien. Bah, tu l'auras pas dit, il y a la fin du jeu, spoil, maintenant quoi. Vous savez. C'est n'importe quoi. Ça me rappelle Karaté qui spoilait la fin des films dans 5K du screen. Quoi. Sérieux c'est ça. Genre, on passait les trailers, d'un coup, il faisait ça, c'est comme ça que ça se termine. Là. Mais non. Vraiment, vous êtes les deux pires. Hein. Bref. On est fait du même moule. Ouais. C'était quel justement, jeu moi je préviens les gens que ça spoil. Moi j'avais adoré quand on avait commencé Final Fantasy VII et que tu fais le personnage là il meurt. Donc, du coup, ils vont pas nous faire chier. Je pleurais de rire, c'était magnifique. Des grands moments dans cet ECR de spoil. Non, c'est pas vrai. Non, c'est on avait bien rigolé quand même. Jamais volontaire. Ouais, non, je suis pas sûr sur l'heure. Hein. On a bien rigolé quand même. Continuons maintenant avec une licence qui, pour le coup, fait plaisir à beaucoup de monde. On en parlait depuis longtemps. On savait pas si Batman allait sortir, si Harry Potter allait sortir. Ça y est, c'est sorti pendant la conférence PlayStation 5. C'est Harry Potter. On regarde ça et on en parle juste après. Ça me donne vraiment envie. La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Ce lien que nous partageons tous est l'héritage de Poudlard. Il est temps aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique. Et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers. Chaque couloir, chaque portrait, chaque pierre de ce château raconte l'histoire des sorciers et des sorcières qui étaient là avant vous. Ici, vous vous ferez des amis pour la vie et développerez vos compétences en magie dans les salles de classe des professeurs les plus talentueux du monde. Tandis que vous entamerez votre aventure à Poudlard, concoctant des potions, domptant des animaux fantastiques et pratiquant des sorts, un monde plus vaste s'ouvrira au-delà de ces murs.
Un monde rempli de dangers que vous n'osez imaginer. Un savoir ancien disparu depuis fort longtemps de ce monde. Ce talent étrange et mystérieux que vous possédez est peut-être la clé qui vous permettra de débloquer ce pouvoir endormi. Votre potentiel est illimité. Mais quelle forme prendra-t-il ? L'aventure qui vous attend révélera quelles sont vos véritables valeurs. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, je vous propose tous ensemble hein, de faire un Expelliarmus sur petit avion qui n'a jamais vu un Harry Potter. S'il vous plaît, dans le chat, manifestez-vous. Wow, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, un vrai cadavre, exactement. Ça ne va pas lui beaucoup tranquille. Lui parler, mais nous, on va le comprendre. C'est vrai qu'il ne connaît rien. Non, mais, voilà, bah, quoi, honteux, merci. N'hésitez pas. C'est honteux. Non, mais ça a l'air super, les petits enfants en robe qui se battent avec des bouts de bâton. Là. Oh non, là là, cool, cool. Tu sors, retourne là. Super. Mais ça a l'air d'être super. Les petits enfants en bâton, ils termineraient Dark Souls comme ça en mais deux secondes, là, tu vois, plutôt que de te faire chier avec tes armes et tes roulades ah ouais à la con. Ah ouais. Eh ben, ils pourraient pas esquiver les attaques, ils savent pas faire de roulade. What? Bon, en tout cas, ça a l'air très, très, très bien. Mais par contre, j'ai appris pendant le trailer que c'était un monde ouvert. Mais ça, oui, c'est ouf. C'est un RPG en monde ouvert dans lequel on aura des choix à faire, un personnage à construire, une maison à choisir. Attendez, ça me traite de moldu. Mais oui, t'es un moldu. C'est méchant, ça? Ah non, non, bon, c'est un non, peu ça veut dire sécurité. Pas, bon. Tu n'es pas éveillé à la magie. Sécurité, vous me le bannez. J'ai eu la chance d'aller à Orlando dans le monde d'Harry Potter. J'ai bu ma bière au beurre. Mais toi, t'es allé à Orlando. Incroyable. Je suis resté deux heures dans le. T'as juste envie de me vénère en fait. Tout à fait. C'est ça. C'est la première fois que t'arrives, tu partages ton expérience de vie. C'est ça. Mais moi, quand j'étais dans le monde d'Harry Potter à Universal Studios Japan. Mais toi, tu comprenais rien. Tu savais pas les règles. C'était bien. Ils étaient là avec leur bière au beurre. Je fais quoi ? Y a pas un coca ? Coca, Pepsi, Brescola. Brescola. En tout cas, c'est ça. Je voyais des commentaires comme quoi ça faisait pas trop Next Gen et Donald nous en faisait la remarque. Moi, je trouve que c'est plutôt correct visuellement. Après, c'est un jeu qui sort aussi sur PS4. Donc voilà, c'est un jeu cross-gen. Ça sort l'an prochain. J'ai juste un tout petit peu peur parce que c'est les gars derrière Disney Infinity et non pas derrière Just Cause. Voilà, c'est le même nom, mais pas tout à fait. Donc j'ai un petit peu peur parce que Disney Infinity, c'est pas non plus le jeu de l'année. Arrête, il y avait le narrateur qui était incroyable. Je vais pas revenir là-dessus. mais ouais. Voilà, c'était pas le jeu. Et en vrai, celui-là a l'air d'être quand même. Je comprends tes craintes, mais ce que veulent les fans d'Harry Potter, c'est enfin pouvoir se balader dans un monde ouvert où il y a Poudlard, où il y a justement les alentours de Poudlard qui sont représentés. C'est, tu vois dans le trailer, c'est la promesse, c'est ça. Franchement, le jeu, il peut être claqué au sol si juste tu peux RP et te balader dans Poudlard et faire et toutes les pièces. Et plus encore, t'avais t'avais le chemin de traverse, mais t'avais aussi dans les pièges la forêt derrière. Voilà, le village qui est juste à côté. Enfin, le pont en bois. C'est, s'ils font ça, ils ont déjà gagné. Je suis trop pressé, mais vivement 2021. Ça va être énorme. C'est vrai que voilà, il va être PS4, PS5, mais bon, là pour le coup, c'est pour ça que il y a peut-être pas la claque next gen qu'on en a vu sur le trailer. Mais moi, ça me plaît bien. J'ai envie de m'y plonger. Ça me donne vraiment envie. Et ça fait tellement longtemps qu'on en parle d'un jeu Harry Potter. Hein. Il arrive enfin. Ah ouais, un vrai jeu. Tu vois pas les trucs à licence d'Electronic Arts qui étaient nuls à part les trois premiers. T'imagines déjà rien que tous les films, tous les boss qu'il y a à faire. J'attends tellement le RP Harry Potter en monde ouvert. Non mais là en plus dans le trailer on voit quand même tu vas revoir ça. On arrive à identifier un méchant principal, vous voyez, dans le trailer. Ça se passe avant l'histoire de Harry Potter, ça se passe avant les films. Bon, donc à mon avis il y aura quand même d'autres. Ken, on va faire un litchi là pour qu'il achète son coffret Blu-ray là, qui est après qu'il passe. Pardon les gars, je suis désolé, en fait c'était vachement bien. Je veux juste qu'il lui dise à un moment, c'est vrai les gars, c'était bien en fait.
Je vais lui offrir sur Apple, Apple TV Plus là, le coffret 4K. Mais je crois qu'il a 50 balles. Mais je balles, veux pas regarder. Mais je veux pas. Et tu vas t'infliger non, ça. C'est rien que la musique. Déjà, quand tu connais la musique d'Avengers, ouais, c'est cool. Hein. Le logo Warner Bros. Avengers avec la petite musique, tu vas faire oh, trop bien. C'est une honte. Non, mais tu vas quitter ce plateau. Et reviens quand, Alvin. Parce que je suis sûr qu'il les a vus. Hein. Je suis moldu. Alors, tu oui, t'es un vrai moldu. Frère, super mange-mort, surtout. Ouais. Mange t'es mort, en gros. Ouais. Voilà, et on passe à la suite. L'année la semaine prochaine, je viens avec ma baguette de Harry Potter. Super, grosse émission. Ah ouais. Ok, c'est Alvin la prochaine fois. C'est bon, attends, j'envoie un message à Alvin tout de suite. Voilà, alors. Alvin. Ouais, et puis moi je ramènerai l'écharpe de ma maison. Et puis moi je ramènerai ma super tenue. Oui, on se fera des checks avec nos baguettes et tout. Oh super, j'ai hâte. Ah ouais, vivement. Oh là là. T'es vraiment un sale serpentard, toi. Ah ouais, totalement. Ah ouais, lui direct. Tu mets le chapeau. Je vais lui ramener le chapeau aussi. Il va faire. Slytherin, c'est ça. Bon, bref. Exactement. Ah oui, je ramène le chapeau et la baguette et on le dissout. Non, non, il est profondément mauvais cet avion. Tout ah ouais, mais clairement. Il est temps que ça se sache. Mais les gens sont témoins déjà. Hein. Tu viens de nous dire que t'as pas vu Star Wars non plus. Ok, alors bon, passe à autre chose. Attends, non, on arrête le plateau. Je les ai vus étant gamin, mais j'ai pas plus que ça quoi. Et j'ai pas vu le 9. Non mais c'est pas grave, t'es pas une neuf. T'as pas vu la trilogie les premiers? Moi je m'en vais. Si, mais genre j'ai dû les voir c'est deux bon, fois dans ma vie quoi. Je m'en vais aussi, je quitte ce plateau. Tiens, rejoins-moi Donald. Voilà, c'est terminé. Voilà, voilà, démerdez-vous. Viens Ken, laissez-le tomber. Vas-y, non, mais là je le soutiens un peu. Connaissez-vous notre sauveur For Honor? For Honor est un jeu de duel disponible sur PS4. C'est une honte. Tu sais quoi, passons à la suite. Parce que vraiment, je pense que globalement, cet avion il dépasse toutes les bornes. Des limites. et tu veux parler de Star Wars Squadrons dans le 2 octobre? Oui, je veux juste taper mes meilleures galettes de l'espace en VR. Ok. Ah là, c'est chaud. Attends, qu'est-ce que t'aurais pas vu? T'as vu Indiana Jones? T'as vu Retour vers le futur, rassure-moi. Oui. Non, attends. Pas tous. Hein? J'ai pas une grande culture ciné. Ah ouais, non, mais là tu vas. Je l'avoue. Non, t'as vu le cordier jugé flic par contre? Bien sûr. Ah ouais, tous. Okay. Julie Esco. un modèle au quotidien. Une famille formidable, il a tout vu par contre. Hein, il a le coffret Blu-ray. Par contre, vous me posez une question sur n'importe quel épisode du Nounou d'Enfer. Je suis invincible. Monsieur Sheffield. Ah, c'est énorme. Bon, je suis très déçu quand même. On va passer à Spider-Man. Bon, le dossier. Morales, hein, je vais appeler l'inspecteur Spider. Et il va venir te dégager avec par Yuri. Par contre, tu vois, Spider-Man, j'ai un peu plus de connaissances. Ouais, t'as vu les films de Tom Holland, c'est ça? Ouais, j'ai regardé Into the Spider-Verse ce week-end, enfin. Moi, bon, je le verrai pas. Alors, t'en as pensé quoi? C'était génial. Excusez-moi, on n'est pas en train de faire une review de film, là. Écoute, on n'est pas dans le syndicat. On va revenir au jeu dans lequel Donald prêtera sa voix. Puisque, de toute façon, je l'ai regardé en VO, alors. Tony Parker. Pas de soucis, Tony Parker. Mais qu'est-ce que c'est que ce plateau? Mais qui? Mais Crunch, attends, j'appelle Crunch. Attends, l'autre, il a pas vu Harry Potter, Star Wars, il parle de Tony Parker. Il n'y a plus que Ken quoi, sur ce plateau. Hein. Ah, je suis désolé, heureusement je suis là. Hein. Franchement. Tony Parker. C'est bon. Ah ouais. Bref, la fatigue. Écoutez, on est mardi. Hein. C'est magnifique. Bon, alors parlons de Spider-Man Miles Morales qui, dès le début, dans la fête de Noël, là, ils ont montré Ray Tracing taquet. Ah oui, là c'est clair. Mais c'était très beau. Oui, c'était très très beau. Après, le jeu original était déjà très très beau. Assez impressionnant, bien qu'un poil court. Mais là, c'est au-dessus. Mais ouais, là, c'est au-dessus. On voit. Enfin, au-dessus. Je ne sais pas si on peut dire vraiment c'est au-dessus, mais en tout cas, les effets de ray tracing fonctionnent particulièrement bien sur ce nouvel épisode, qui est une extension standalone. On voit que Insomniac Games a l'air de bien maîtriser la PlayStation 5 et aussi la PS4, puisque, effectivement, c'est l'une des surprises de la conf PS5 de la semaine dernière. Le jeu sortira aussi sur PS4. Bonne surprise. Et attention, important. Parce que du coup il y aura plusieurs éditions, parce qu'on a aussi appris que Marvel Spider-Man serait dispo en remaster sur PS5 avec Miles Morales, ou alors Miles Morales seul. Pourtant, c'est que si vous avez commencé l'histoire sur PS4, vous ne pourrez pas la continuer sur PS5 de Marvel Spider-Man, et pareil pour Miles Morales. Le cross-save ne sera pas disponible. C'est plutôt pour les retardataires, en fait. C'est plutôt pour les retardataires, effectivement, histoire d'avoir
quand même une bonne compile entre les mains à Noël, ce qui, je pense, est une excellente chose. Mais voilà, le jeu est impressionnant visuellement. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des grosses nouveautés, si ce n'est les nouvelles attaques de Miles Morales. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon point de vue. Je suis totalement d'accord. Alors, on a vu quelques nouvelles attaques, puisqu'il a des capacités un peu différentes du Spider-Man classique. Mais moi, j'en suis à un point où il me mettrait la même ville avec juste, c'est une histoire différente, d'autres méchants, un truc comme ça, je signe. Hein. J'ai tellement aimé le jeu de base, celui-là, je l'attends énormément. Ouais. C'est les DLC de Spider-Man, quoi. Ouais. Qu'ils y aillent, hein, j'achète. Hein, c'est bien. Pourquoi il a mangé un Pikachu? Ce qui m'a fait mal aux yeux un peu hein, dans le trailer. Ah, oui, il y a tellement d'éclairs. Mais oui. Pika, pika. Parce que c'est une araignée différente qu'il a mangé. Quoi, je vais... C'est l'araignée numéro 40. Merci, ne me prends pas de haut, je sais qui est Miles Morales et j'ai fait le jeu vidéo. Je sais pas, tu demandais pourquoi il fait de l'électricité. Non, mais il en fait tout le temps. Tu pourrais faire de l'électricité, t'en ferais pas tout le temps. Mais non, mais c'est. C'est arrête de vénère, t'as pas vu Harry Potter ni Star Wars. Je me pose la question. Tu serais Pikachu? Tu fais de l'électricité tout le temps. Moi, ouais, j'avoue. Bah alors voilà, ils se gênent pas. On a des gros débats aujourd'hui. Ah oui, non mais. Mais c'est bien, hein, on est 18h15, donc faut se dépêcher. On a bien vu en tout cas les effets de ray tracing. Non, et sur dire le gameplay. C'était oui, vraiment. Des fois, on gueule, il n'y a que des cinématiques, on a vu du gameplay. Il y a une démo de gameplay, effectivement, de 8 minutes. Hein, si vous voulez la voir en entier. Et si tu veux bien, mon cher Donald, on va à poil accélérer. Parce non, on accélère pas, mais sur Spider-Man, on laisse nous parler du jeu quand même. Mais non, mais il est 56 et on doit rendre à 18h15, les amis. Donc malheureusement, je dis plus rien, j'ai compris. D'accord, je propose qu'on passe après Fortnite RTX et on passe tout de suite à Demon's Souls. On peut passer directement à Demon's Souls. C'est beau, vous êtes témoin. Voilà. Ouais. On a skippé une. Il n'y a pas besoin que de dire Fortnite sur PS5 aura les effets RTX. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est pas du RTX. C'est la technologie Nvidia, c'est du ray tracing. Arrêtez de dire ça. Tu vois, tes super pouvoirs, c'est d'être casse-couille. Tu vas te faire disputer par Sony et tu me remercieras d'avoir corrigé tes erreurs. On verra après le PS Now. Il n'a pas tort. On a déjà parlé plus longtemps de Fortnite que le trailer. Vous avez été montré. Mais non, il n'y a pas de trailer. On parle de Demon's Souls. Et ça, pour le coup, j'avais jamais fait de Soul jusqu'à présent. J'ai vu la conférence. J'ai fait. En fait, c'est le jeu que j'ai le plus préféré de la conférence. Si vous l'avez manqué, on regarde ça. Drawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. On n'allait pas vous faire le full screen alors qu'on va continuer à le regarder avec vous en discutant. Et franchement, là, la claque next gen, c'est fluide, c'est beau, il y a les effets de lumière. Et j'ai pour la première fois envie de faire un solo. J'ai hâte de voir la version PC qui a été réfutée par Sony. Mais bon, non, mais clairement, c'est un beau jeu. C'est un très beau jeu. C'est le premier Souls avec de la lumière. Moi, j'aime bien. Mais normal! Mais oui, pourquoi alors. Mais normal, le jeu il date de la PS3, c'est l'ère des jeux marrons. Oui. Donc encore heureux qu'aujourd'hui on a du HDR qui mette de la lumière. Parlons-nous que je suis. C'est un remaster ça? Non, c'est un remake. C'est un remake. Ok, oui, d'accord. Remake. D'accord, ok.
Ouais, c'est un remake et c'est très impressionnant. Moi, j'ai juste un peu au niveau du personnage qui survole un peu trop les décors, mais à mon avis, ça sera corrigé d'ici là, parce que le jeu sort au moment du lancement. C'est très joli, peut-être un peu trop coloré pour les fans de Devil. Ouais, j'ai entendu ça. Moi, j'aime bien. C'est pas non plus Snack Bugs là ou Bug Snacks. Dites-moi qu'il y aura un mode normal ou un mode easy. Ouais, non, quand même. Il n'y a jamais de mode de difficulté dans ces jeux-là. Oh là. Et oui, c'est une démo, c'est pour ça qu'ils one-shot tout le monde, ils n'allaient pas montrer un mec qui... Non. Justement, à un moment donné, ils montrent qu'il meurt deux fois. Il est surpété ou un truc comme ça, mais ils ne vont pas montrer un mec qui crève en boucle dans une démo. Quand le but, c'est de présenter le jeu, le gameplay, les sensations. Donc, bien sûr que ce ne sera pas comme ça dans la démo. Par contre, quand je regarde le truc, pourquoi il y a autant de... Il y a autant de portes que ça dans Demon's Souls. Mais c'est pour masquer les temps de chargement là. Non, il y a pas besoin. Mais tu vois, à un moment, il prend un portail et t'as un chargement qui de base fait 40-50 secondes. Ah ouais, ça dure. Et là, il fait, c'est instantané. Ouais, tu fais, oh, ça fait du bien. Et grâce à qui? Grâce au SSD de la PlayStation 5. Qu'est-ce qu'il est bien refait, c'est le premier boss du jeu, ça. Ouais. Bon, on termine là-dessus. Je pense que là, on a fait le tour de. Il faudrait juste qu'il change la police du You Died qui colle pas trop avec l'ambiance du jeu, je trouve. Voilà. Oh, un peu. C'est le seul truc que j'ai à redire. Pas de remix sans MS non plus. J'espère qu'il y aura un mode. Ouais, espèce de moldu. Et maintenant, nous terminons le dernier jeu de cette présentation. Ah, c'est très furtif, on n'a pas de gameplay à vous montrer en exclusivité. Mais vous savez, le lobby s'était serré très puissant, mais on n'a pas grand-chose d'autre à vous montrer que Kratos, Ragnarok. Mais voilà, quelle annonce. C'était juste le truc pour qu'on en fasse un petit cri. Avant de se quitter. Je pense que c'était attendu, les gens voulaient le retour de God of War. On le savait, c'était obligé. C'était génial. Mais c'est juste l'entendre. Oui. Voilà. C'est juste, on sait, il arrive, voilà. Et avec, je pense d'ailleurs qu'il sera nommé God of War Ragnarok. Ouais, y a pas de raison. Waouh. Logan en haut dit non, ça ne sera pas le nom du jeu. Pourtant, j'ai l'impression que les runes écrivent Ragnarok autour. Hein. Ouais. Si tu regardes bien, je suis pas spécialiste, mais. Écoutez, on verra bien. En tout cas, on verra même incessamment sous peu, parce que le jeu est prévu pour 2021, et je ne serais pas surpris que, tout comme Spider-Man, tout comme Horizon Forbidden West, le jeu sorte sur PS4 également, parce que paraît un peu tôt. À mon avis, ils ont dit 2021 et peut-être ça décalera un peu, mais ce serait étonnant. Enfin, si sort 2021, je pense qu'il sortira sur PS4. Si c'est 2021, je pense aussi. Si c'est début 2022, peut-être plus de chances d'avoir un full PS5. On verra, on n'en sait rien. C'est du conditionnel, comme on dit. Ouais, puis bon, c'est en ce moment, avec Covid, tout ça, beaucoup. C'est pas évident. Donc ils ont dit 2021, mais voilà, on croise les doigts. On parle maintenant, pour terminer sur ce dossier, du prix des jeux, qui a été quand même un gros sujet cette semaine. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup à discuter là-dessus. Un gros sujet, 80 euros désormais, c'est le prix des jeux first party de Sony. On nous avait déjà préparé à la taxe, NBA. À la taxe Next Gen avec NBA, effectivement. C'est disons que c'est toujours compliqué à avaler 10 euros de plus, d'autant plus quand le jeu sort aussi sur PS4. Mais c'est prix de vente conseillé. On le sait très bien que les supermarchés, il y a plein de trucs qui cassent les prix pour amener les gens dans leur magasin et qui tapent les prix. Genre, tu vas chez Micromania, c'est à 70, tu vas chez Auchan, des trucs, c'est à 52, parfois 45. Après, je dis pas, ça se trouve, ça va être 70-80 partout. Mais il y a peut-être à espérer. C'est pour ça que pour moi, la Standard Edition est plus avantageuse. C'est pour ça, mais c'est Ken qui, justement, le répète régulièrement depuis l'annonce de la Digital Edition. C'est que, clairement, la standard est beaucoup plus rentable à terme. Fait. Vous achetez la version all digital, vous ferez saigner à blanc. Et 80 euros, je le redis, je sais qu'il y a l'inflation, mais c'est une honte parce que ce n'est pas du tout indexé sur les coûts de développement des jeux. Tous les jeux, quel que soit leur prix de développement, first party, sont à 80 euros. Ce n'est pas possible. Après, il faut aussi se dire que si vous êtes plutôt amateur de jeux sous la forme de promotion, etc., la Digital Edition vaut le coup, puisque de toute façon, vous avez beaucoup de promos sur le PS Store, avec des prix parfois très intéressants, et clairement,
je pense que il devrait y avoir quelques bonnes surprises d'ici là, incessamment sous peu. Donc, mais il y en aura. Mais il faut juste pas être pressé. Si vous êtes plutôt amateur de jeux de Day One, clairement, attendez plutôt la version boîte un peu moins chère, grâce à Amazon et compagnie, plutôt qu'effectivement payer 80€. Mais moi, j'en consommerai du digital. Là, mais je consommerai du digital et du physique. C'est là, dommage de se blinder d'une seule. J'ai regardé tous les jeux physiques en précommande, du coup, sur Amazon et sur les autres sites, c'est 70€ tous les jeux physiques, tous. C'est pas 80. Les jeux physiques, ils sont à 70. Et c'est logique. Enfin, tu vois, tu prends plein de stocks et les mecs taillent sur leur marge. Donc, enfin, franchement, je sais que la All Digital a un intérêt et un attrait parce que vous pensez que vous allez payer moins cher au début. Mais pour moi, à part si vous avez eu tous vos jeux PS4 en dématérialisé, ça existe. Hein, y en a plein qui sont dans ce cas-là. Hein. Je sais pas, Tite Avion, toi, c'est peut-être ton cas. Toute ta PS4, tu l'as en démat ou pas? Moi, j'ai une bonne partie. Ça va être 50-50 aujourd'hui. Ouais, donc c'est quand même beaucoup. Oui, mais moi, c'est un peu comme le disait, j'ai vu ton message, Elwin John. Moi, j'ai acheté la PS4 tardivement. Et en fait, au moment où je suis arrivé, il y avait déjà des très gros hits PlayStation qui étaient à moins de 30€. Donc, si on part de ce principe-là, effectivement, la Digital Edition, elle est super intéressante, malgré tout, parce que tu as accès déjà à des gros hits qui sont moins chers. Donc, je sais pas, moi, je me dis qu'elle devrait intéresser, mais c'est vrai qu'au lancement, c'est dommage de partir sur la Digital Edition, même si elle est à 100 rendement. Et après, ouais, comme dit dans le chat, bah, les jeux, ils étaient quand même un peu moins chers aussi sur Amazon. Là, ils viennent au prix classique d'avant avec la promotion. Exactement. C'est aussi ça le du truc, c'est dommage. Parlons maintenant de la rétrocompatibilité. Je ne sais plus combien il y a de milliers de jeux PS4 qui ont été validés. C'est énorme. Enfin, concrètement, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Vous pouvez enlever votre PS4, mettre une PS5, vous mettrez les galettes, ça tournera, quoi. Yeah. 99% des jeux. Ça reste 1% dont on ne connaît. À mon avis, je pense que, par exemple, Life of Black Tiger, un des meilleurs jeux PS4 qui existe, ne sera pas... Voilà, c'est le 1%. Merci, Titan. Non, mais là, clairement, après qu'ils aient annoncé ça, on est toujours dans le flou malgré tout, c'est un peu dommage. Jim Ryan l'a annoncé à Bloomberg et il faut une liste maintenant. Il faut une liste. Xbox l'a fait avec sa rétrocompatibilité. Il faut une liste. On c'est sait pas urgent. Si c'est hardware ou software, du coup, cette rétrocompatibilité. Ah, on ne sait toujours pas. Comment est-ce qu'elle fonctionne? On sait qu'elle fonctionne. Parce que tous les jeux du PS Plus, comme en collection, seront dessus. C'est de la rétrocompatibilité, tu vois. Mais on ne sait pas comment elle fonctionne. Et ça fera tourner les jeux en mode PS4. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur le... PS4 Pro. C'est le PlayStation Pass. Oui. D'ailleurs, on voit les images de PS4 Collection. Pro. Mais voilà, si vous voulez, c'est pas parce que vous allez mettre votre galette de Bloodborne. Que d'un coup, vous allez être à 60 FPS. Voilà, sur la PS5 qui va tourner à 60 FPS. Ah bah c'est évident. Peut-être qu'il y aura les très légers ralentissements qu'il y a de temps en temps dans Bloodborne, on les connaît, qui vont disparaître parce que l'hardware est un peu plus énervé. Peut-être. Ouais. Mais ça tournera en mode PS4 Pro. Ouais, c'est ça. Et parlons justement, vu qu'on a les images en ce moment là du PS Plus Collection, Sylvain. Concrètement, c'est une session de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas fait les jeux PS4 avant? Oui, en tout cas, les jeux qui ont, selon la description de Sony, qui ont défini l'histoire de PlayStation. Et c'est vrai que là, on voit du Ratchet & Clank, on voit du Days Gone, on voit du God of War, on voit du Till Dawn, effectivement. Il y a aussi le Uncharted, etc. Monster Hunter World, Detroit, effectivement. Donc, c'est des gros hits de la PlayStation. Alors, il y a Battlefield 1. je pensais pas que c'était un hit, mais pourquoi pas? Je ne savais pas qu'il avait défini l'histoire de PlayStation. Mais de là à définir l'histoire de PlayStation, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est un service qui sera disponible. Donc il y a 19 jeux, je crois, au lancement. Donc lorsque vous branchez votre PS4, si vous êtes abonné PS Plus, vous aurez accès à ces 19 jeux sans surcoût supplémentaire. C'est ça, parce qu'il y avait la question sur le chat, c'est. C'est sans surcoût de l'abonnement. C'est avec votre abonnement, effectivement. Alors, se pose néanmoins la question. Déjà, cette collection ne sera pas disponible pour les abonnés PS Plus sur PS4. Il faut obligatoirement avoir une PS5. Ça, on a la réponse de ça. On a la réponse. Dommage. En revanche, ça n'est pas réservé qu'aux premiers acheteurs. A priori, ça sera sur la durée. Oui. C'est très clairement une réponse au Game Pass.
je pense, en tout cas une réponse immédiate et rapide et simple pour Sony au Game Pass, parce que Jim Ryan l'a dit, pour eux le Game Pass c'est pas quelque chose qui permet de rentabiliser un jeu. C'est le choix de leurs concurrents et ils le respectent très bien, mais néanmoins pour eux un jeu comme God of War ne peut pas être rentabilisé quand tu le sors avec un abonnement à 10 euros par mois. Bien sûr, mais ils le savent, la concurrence, ils le sont pas. C'est tellement d'abonnés pour que ce soit rentable, c'est évident. C'est ça, et donc on verra bien, mais je pense que vraiment ça peut permettre à plein de gens de découvrir des licences pour ensuite les découvrir leur suite sur PS5. Et du coup, au niveau du PlayStation Pass, c'est ce que tu viens de dire dans ta réponse. C'est ce que je disais, effectivement, voilà, Jim Ryan. C'est cool pour God of War et pour Death Gone qui n'ont jamais été donnés dans le PS Plus. Notez d'ailleurs que si vous avez un abonnement PS Plus, vous avez les 190 jeux offerts dans le PS Plus sur PS4 qui fonctionneront aussi sur PlayStation 5. Donc si vous êtes un aficionado du PS Plus, que vous avez suivi tous les CTCR et que tous les mois vous avez téléchargé vos jeux, vous pourrez en profiter aussi sur votre PlayStation 5. Et ça, c'est quand même assez important de le signaler, parce qu'il y a vraiment près de 190 jeux qui ont été donnés sur, tu vois, l' ensemble de la vie de la PS4. Je sais qu'on oublie souvent de les télécharger, mais on oublie. C'est mais vrai. Pour ceux qui n'ont pas oublié, tu vois, tu peux te faire un back catalogue que tu n'auras jamais le temps de terminer au cours de toute ta life. C'est vrai. Donc faut quand même bien rendre à César ce qu'il y a à César. Et on est le PS Plus, c'est quand même sympa. Hein. Et on est d'accord que pour la rétrocompatibilité disque, tu mets ta galette et ça démarre. Tout à fait. Il y avait des gens qui se posaient la question. Il est vraiment urgent de diffuser la liste des jeux rétrocompatibles. Parce que 99%, oui, c'est beaucoup. Mais si dans l'eau, tu as un God of War. Par exemple. Mais imaginez, tu mets ta galette, ça ne marche pas. Pourquoi ? Il faut absolument que Sony diffuse la liste au moins des jeux qui ne sont pas rétrocompatibles. C'est très important, et ils ont aussi répondu sur la rétrocompatibilité par rapport à la PS1, à la PS2, à la PS3. Pour eux, c'est sur le PS Now que ça se passe, même si la PS1 n'est pas disponible. C'est vraiment sur le PS Now qu'il y aura, j'espère, des améliorations dans le futur. Et bah justement, en parlant de PS Now, on n'aura pas le temps de jouer, mais en tout cas, on va vous montrer un petit peu une petite vue globale du catalogue et voir un panacée. Je vois pas mal de gens qui posent la question, c'est quoi le PS Now, c'est quoi le PS Plus, je sais pas trop. Donc le PS Plus, c'est l'abonnement qui vous donne accès au online sur la PlayStation. Si vous voulez jouer online, il vous faut le PlayStation Plus, sauf au free to play, et vous avez en plus tous les mois trois jeux gratuits qui sont offerts tous les mois, et des jeux qui sont systématiquement différents. Le PS Now, c'est pas ça. Le PS Now, c'est un abonnement à un catalogue de jeux pour la PlayStation. Donc vous avez à la fois des jeux PlayStation 4, mais aussi des jeux PlayStation 3, des jeux PlayStation 2. Donc voilà, vous allez pouvoir rejouer à tout un tas de jeux qui ont fait aussi l'histoire de la PlayStation. Voilà, des jeux comme Fallout New Vegas, Elder Scrolls Oblivion, Fallout 3, The Evil Within 2, ou encore l'extraordinaire Prey. Voilà, vous pouvez rejouer sur le PS Now pour seulement 9,99 par mois. Et pour le coup, j'appuie. Bethesda est très présent sur PlayStation. C'est fou. Et pour le coup, j'appuie sur Prey. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est un jeu d'ambiance incroyable. Et Payday 2, parce que moi j'ai essayé de le faire à un moment, ce jeu, il n'y avait plus personne pour jouer. Il y a du monde encore. Sur console, peut-être pas forcément, sur PC, oui, encore. Vous avez aussi dernièrement, Rocket League est arrivé, mais parce qu'il est en free-to-play, mais vous avez Hitman 2, Resident Evil 7, Watch Dogs 2, FF15 qui arrive dans le PS Plus comme en collection, mais qui est déjà sur le PS Now, et qui fonctionnera, votre PS Now, avec votre PlayStation 5 aussi, d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de jeux exclusifs PlayStation, là, ici, on voit Street Fighter, tu vois, tous les jeux qui sont notés PlayStation Hit, qui fonctionne aussi. Vous avez tout le premier Red Dead. Il y a Power Rangers. J'ai vu, il y a F1 2019, et là pour l'instant on roule sur le 20, mais le 19, franchement, c'est comme FIFA. Hein. C'est FIFA 20. C'est comme si on vous donnait FIFA 20 aujourd'hui à la place du 21. Je rappelle aussi très rapidement que vous pouvez télécharger les jeux PS4, parce que vous avez aussi accès au catalogue PS3 et PS2. Télécharger les jeux PS4 sur votre console si vous n'avez pas la connexion pour les faire tourner en streaming, et vous libérer des contrats du PS Now, qui sont notamment le 720p maximum, rappelons-le. Voilà. Tout à fait, je vois qu'il y a Ratatouille, il va falloir que je le fasse. Et je termine rapidement pour répondre au chat. Le PS Plus Collection, c'est un bonus que vous avez si vous êtes abonné au PS Plus, c'est quelque chose en plus sur votre PS5, c'est tout. Voilà.
Ouais. Bon, et ben, je pense qu'on a fait le tour. On avait vraiment un gros dossier à faire sur cette conférence, post-conférence PlayStation 5. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé vous aussi un beau moment pendant la conférence. Évidemment, on était là pour en débattre et puis faire un petit peu le tour de toutes les annonces. Et on espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. On se retrouve mardi prochain, 16h30, 18h30 sur le stream. Merci Sylvain. Oh Donald. Merci Tite Avion, merci Ken. Merci à la régie. Donald, et surtout, merci à vous de nous regarder toutes les semaines et pour votre fidélité. Ciao, ciao, c'était CR, l'actualité PlayStation. Bye bye. Salut.